Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com pour un Facebook Live. Alors on est tous en confinement, mais un confinement du dimanche, c'est quand même un dimanche. Hein. On sent que c'est pas exactement pareil. Donc on va profiter de cette belle journée pour vous expliquer comment faire un rub. Alors je dis parce que il y a quelqu'un qui est avec nous. Donc je vais attendre que vous connectiez tous au fur et à mesure. C'est vraiment quelqu'un de super. Regardez, je vais vous montrer la couverture de son livre. Smokehouse, 25 ans de barbecue américain. Donc, si avec ça, on n'a pas la réponse à toutes les questions sur les rubs, je ne saurais pas quoi vous dire. Un tonnerre d'applaudissements pour Chef Juan. Yes. Salut Juan, comment ça va? Salut Rafa, tu vas bien? Ouais, super. Donc, en direct de la Belgique. Hein, donc, ouais. Voilà, ouais. Les gens sont là, sont connectés. Vraiment, c'est top. Alors, attends, moi, je vais passer sur le live ici, directement sur la page. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions que vous nous posez directement sur ma page Facebook. Alors, attendez, je suis là. Vous vous connectez tous au fur et à mesure. Le dimanche matin, allez, c'est tranquille. On a le temps comme ça. Ça va toi, Rohan? Le confinement se passe bien? Ouais, ça va, mais on en profite pour cuisiner, hein. Ouais, ça, déjà, faut pas... déjà à la base, il ne faut pas trop nous pousser. Non. Donc ça, c'est vrai. Bon, bonjour tout le monde, ça y est, on est déjà une centaine, c'est absolument parfait. Donc la semaine dernière, on avait fait un live avec Stéphane, donc administrateur du groupe Barbecuez-vous. Juan, tu es également administrateur du groupe Barbecuez-vous. On a la chance vraiment de pouvoir bénéficier de toutes tes qualités, ton savoir, ton expérience sur ce groupe. Donc, allez liker le groupe Facebook, on vous y attend. Et en plus, depuis ce matin, on est combien, Juan? 8000. 8000, exactement. Ouh, 8000 personnes qui est sur ce groupe-là. Donc, vraiment, du débutant à expert, vous pourrez répondre. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Alors, mon petit Juan, il y avait une demande que j'ai régulièrement. Donc, ah, Rafa, j'aime bien ton Sopasco. Donc, les gens comprennent la différence entre une marinade sèche, une marinade liquide. Ah, tiens, tu pourrais pas nous montrer comment ça se passe pour faire un rub. Voilà. Et je me suis dit, écoute, Juan, viens, on va faire un live comme ça. Et comme ça, on va pouvoir bénéficier de toute ton expérience. Surtout qu'il y a des super rubs dans ce livre. Et donc, j'ai décidé avec Juan de faire un live comme ça pour pouvoir vous proposer des idées de rub et tout connaître à la fin. Donc, ça va durer à peu près une heure sur le vocabulaire, quand les mettre, pourquoi pas mettre cette épice. Et évidemment, on va faire des rubs. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes un petit peu, Juan, sachant que hein, on est des passionnés, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, je te laisse faire. Dis-moi, Juan, je t'écoute. Moi, je propose ici, c'est de démarrer sur une base commune à presque tous les rubs. Ouais. Et puis de transformer cette base en quatre rubs différents, en expliquant un petit peu les différences qu'il y a entre peut-être même les différents États aux États-Unis, les influences qu'on peut avoir au niveau de l'Amérique centrale, par exemple, au niveau de l'Europe, au niveau du Canada, au niveau de l'Ouest et du Sud et de l'Est des États-Unis, où tout change à chaque fois. Et ça change pourquoi ? Ça change bien souvent parce que les viandes que ces États utilisent sont vraiment différentes d'un État à l'autre. Par exemple, dans les Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud, on va retrouver du mouton qu'on ne va pas retrouver du tout au Texas, puisque là, c'est le bœuf qui est roi. Dans les États du Sud, on va retrouver beaucoup plus de porc, donc les ribs, etc., le fameux pulled pork. Et donc, en fonction des États, en fonction des influences ethniques, on va décliner les rubs de manière totalement différente. Voilà, c'est l'idée de base, en fait, de prendre une base commune à tous les rubs et de les décliner en... Ici, j'ai prévu quatre rubs avec vous. Un rub sucré, un rub piquant, un rub plus d'influence texane, donc pour le bœuf, donc avec moins de sucre. Un rub un peu plus, je l'appelle le rub colombien parce que il y a du café dedans, hein, ouais. Voilà. Et on va mettre un chouette truc, c'est du chocolat noir dans ce rub. Et puis j'ai prévu aussi un petit rub parce que les gens se posent souvent la question, tiens, sur l'agneau, je fais quoi? Parce que c'est vrai que sur l'agneau, c'est un peu complexe, on peut pas vraiment mettre un rub très sucré, ni très piquant, ni... Donc voilà, un rub qui fonctionnera bien pour l'agneau, pour les volailles aussi.
Alors super, merci pour ce tour du monde, Roanne. C'est vraiment, tu m'en donnes l'eau à la bouche, c'est vraiment top. Moi, je vais lire vos questions en même temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis je vais essayer de les lire à Roanne pour qu'il puisse vous répondre. Évidemment, là, tu as dit quelque chose de vraiment essentiel, Roanne, c'est que finalement, un rub, bah, c'est moi, mon rub Sopasco, je dis toujours, c'est un rub 4x4, quoi, parce que on veut quelque chose de plus sucré, on va rajouter ça, donc on verra après si on le veut plus épicé, si on le veut plus oriental, si on le veut. Voilà, il y a différents panels de goûts, on en parlera tout à l'heure. Et il faut savoir que du coup, pendant ce live, moi, j'ai ma balance, comme ça, j'ai ce que j'appelle toujours ma balance de dealer, comme ça. J'ai également. Mais Tu peux teaspoon, avouer. table spoon, donc hop, vous allez les voir comme ça. Donc ça c'est pour les mesures américaines. Donc tablespoon, hop, c'est cuillère à soupe. Du coup c'est ça c'est 15 grammes et ça c'est environ 5-7 grammes la teaspoon, la cuillère à café. Donc voilà ce qu'il va nous falloir, pas beaucoup plus. Et au final, on va vous donner des quantités, des volumes. Mais faut pas s'arrêter vraiment sur une base, quoi. C'est ce qui fait vraiment la carte d'identité du Pitmaster. Donc, on va vous montrer des influences, des choses, mais faites comme vous voulez. D'ailleurs, tu me disais une anecdote vraiment sympa, Rohan, à propos de ça, quand tu fais des événements à domicile chez les gens. Raconte-la nous un petit peu. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Toi, tu es très carré, très comme ça. Raconte parce que je ne vois pas. Tu sais, on parle tellement nous deux Ah non, mais que. tu me disais que. Donc voilà, moi, c'est vrai que quand tu étais venu au resto aux planches, donc le resto pour lequel j'ai fait Ouais. du consulting, tout ça, donc à Oui, Kulchev, qui est d'accord, maintenant ok, mon ça y est. appartement pour le moment. Donc il y a une partie, je vous ai dit, il y avait une partie pizza, une partie barbecue, une partie cocktail. Donc le groupe de formation était sur la partie pizza. Donc j'ai Ami Vial, champion de France, champion d'Europe, champion du monde de pizza. Alors disait, alors attendez, hein, au kilo, ça va être 2 grammes de levure, et puis ça va être 300 machins millilitres d'eau, et puis ça va être ça. Oui, Certains y d'accord. venaient. Et alors je leur disais, bon, bah alors pour faire un Sopasco, il va vous falloir 20 grammes de ça. Ils étaient là en train d'en mettre, et oh mince, enfin j'ai mis 21 grammes. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, comme disait mon pote, enfin comme dit mon pote Cobus Botta, le barbecue, c'est vraiment le jazz de la cuisine. C'est-à-dire, on peut commencer un truc, quelqu'un d'autre va continuer, on peut mixer un petit peu, on peut en rajouter un petit peu plus, un petit peu moins. Et du coup, quand je racontais ça à Rohan, il me disait, bah, exactement quand je fais des événements à domicile, bah, des fois, s'il n'y a pas du romarin, on va mettre du thym, ou s'il n'y a pas ça, on va rajouter par ça. Donc, c'est pas parce que, voilà, on a fait une liste un peu exhaustive sur le poste pour annoncer le live. Mais si vous n'avez pas, on vous donnera des choses pour changer. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dit du romarin, bah, il faut une saveur herbacée. Ça peut être Bien sûr. du thym, de l'origan, du machin, du truc. Donc, ce sera à voir en fonction de ce que vous avez, quoi. Les rums, ce n'est pas du tout une science précise. Il y a deux, trois petites règles à respecter. Ça, c'est une certitude, mais ce n'est pas une science précise. D'ailleurs, ben, tu le sais, toi qui vas de temps en temps aussi aux États-Unis comme moi, il y a autant de rums que de sauces barbecue, que de restaurants, que de Ça, c'est pitmasters. sûr. C'est-à-dire que c'est totalement infini, en fait, les possibilités qu'on a au niveau des rums. Il y a des gens qui partent dans des délires pas possibles, qui mettent de la poudre de coca. J'ai un rum. J'ai Génial. un rhum ici qui vient, et pourtant c'est une fameuse marque, c'est Angus & Hank. Ouais. Voilà, j'ai un rhum Jack & Coke. Jack & Coke, le fameux Jack Daniel, c'est Coca-Cola. Ouais. Bien Énormément ça, bien ça. de pitmasters mettent des choses complètement délirantes. Moi, je mets moi-même très régulièrement, ici j'ai de la limonade à la cerise en sachet, Ouais, super. qui fonctionne super bien avec Ouais, le moi j'en porc, fais parce avec de que... l'hibiscus aussi, c'est top. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est totalement infini, illimité, et on n'est évidemment pas au gramme près. D'ailleurs, moi, j'ai pas de balance, clairement. Et pour le cours aujourd'hui, j'ai bien sûr des cups et j'ai tout ça quand je fais des grandes quantités pour les restos ou bien pour mes événements, etc. Enfin, maintenant, c'est fini les restos, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris une cuillère à soupe et une cuillère à café. Et avec ça, on va déjà pouvoir faire des milliers de choses. Bon, dans tous les cas, on a bien compris que quand on est fan de barbecue et la balance, c'est pas nos meilleurs amis, hein, ça c'est clair et net. Non, non. La Je balance, vois pas de quoi vous voulez parler, hein.
Allez, pour tout ça, on va commencer. Donc, juste pour info, on est 270 personnes à Génial. suivre actuellement ce dimanche matin. Donc, écoute, je te laisse commencer. Je vais suivre. Comme dans tous les lives, je suis ton élève, Rohan. Donc, on va suivre exactement ce que tu fais. Enfin, exactement. On a dit pas forcément exactement, exactement, mais on va suivre la base quand même. Et puis, moi, je vais lire les commentaires. Donc, je te laisse faire le premier hub qui se déclinera. À toi de nous expliquer. Alors, le premier rub qu'on va faire, c'est le rub le plus classique pour le porc, pour les ribs, dans une version assez américaine, donc qui sera forcément assez sucrée. Ici, j'ai pris une feuille sur laquelle je pars d'une base commune, comme je vous l'ai dit, avec le Approche un sel. petit peu plus, Rohan. Approche un petit peu plus pour qu'on voit. Donc, sel, sucre, paprika. Ok, d'accord, parfait. Voilà. Et j'ai décliné sur mes quatre rubs que j'ai prévu de faire. Et donc, le sel, le sucre et le paprika sont une base quasiment commune à tous les rubs qu'on peut trouver. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un rub, à la base, c'est du sel. Et que dans tous les rubs, on va essayer de trouver à chaque fois un équilibre. Et ça, c'est vraiment important. Vous pouvez le noter parce que l'équilibre entre la douceur, donc le côté sucré, le côté salé, le sel qui va être la seule épice qui va d'ailleurs pénétrer la viande, ça c'est super important. Et après la saveur qu'on va pouvoir aller chercher de toutes les autres épices. Mais la base, c'est la douceur et le sel. Le sel va être commun à tous les rubs, quasiment. Le sucre, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir remplacer par grand-chose pour apporter cette saveur. Maintenant, il faut savoir aussi que, et ça c'est important, c'est que le sel, je vous l'ai dit, pénètre, c'est la seule épice vraiment dans la viande, parce que quand vous faites un rub, comme une marinade liquide d'ailleurs, aucune marinade, je ne parle pas de saumure, je parle de marinade, mais aucune marinade ne pénètre la viande. La marinade reste à la surface, peut-être qu'elle pénètre, je dirais, 1 mm à la surface de la viande, mais elle ne va jamais à cœur, tandis que le sel, lui, va pouvoir aller à cœur. Donc, ce sel est vraiment méga, méga important. D'ailleurs, Ron, je te coupe juste comme ça parce que c'est vrai qu'on parle et tout là, mais j'ai une question qui apparaît. C'est vrai qu'il faut quand même, à la base de la base, expliquer ce qu'est un rub. C'est un Voilà. mélange d'épices sèches. Voilà, et parce que justement, dans les études faites autour du barbecue, il y a les marinades liquides et il y a les marinades sèches. Et on s'est rendu compte que dans les marinades liquides, généralement, il y a la moitié d'huile, alors qu'une viande, c'est entre 70-80% d'eau. Donc, bah, l'huile et l'eau, ça ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, ça ne pénètre pas, ça reste qu'en surface. Finalement, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pour les fruits, les légumes. Et les fruits de mer. En fait, ce sont ces trois choses pour lesquelles ça pénètre bien à l'intérieur. Sinon, en fait, un mélange d'épices secs suffit très largement. Donc, c'est ce qu'on appelle un rub. Ah ouais, tout à fait. Ouais, absolument. Alors, Préfère le dire parce que je vois les questions en même temps. Hein. Je suis là, 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 là. Donc, j'essaie tu de as tout tout à faire. fait, t'as tout à fait raison. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le rub, les épices ne vont jamais pénétrer la viande. Et donc, ces épices, en fait, vont parfumer la viande en surface. Et donc, quand vous allez couper un morceau de cette viande, que ça soit un rib ou bien que ça soit une entrecôte ou peu importe, c'est cette quantité de rub qu'on va retrouver à l'extérieur de la viande. C'est uniquement cette quantité de rub qui va vous donner du goût en bouche. Exactement. Le rub ne sert qu'à sublimer, en fait, la viande. C'est apporter quelque chose de plus à la viande. Si on mange du porc qui n'est, vous prenez un rib et vous mettez juste du sel et du poivre. Ouais, bon, c'est pas mal parce qu'il y a du sel et du poivre, mais le fait d'apporter plein d'autres épices, hormis des épices colorantes, comme le paprika, ça va vraiment apporter de la saveur. Mais cette saveur ne se retrouve que sur cette croûte à l'extérieur de la viande, elle ne se retrouve pas dans la viande. Voilà. D'ailleurs, tu as dit un très bon mot, le mot croûte, parce que justement, c'est pour ça également que l'on met du sucre. Hein. J'ai beaucoup de personnes, je suis diabétique, est-ce que je peux mettre ça ou quoi? Parce que ça va permettre de cautériser la viande pour garder les jus à l'intérieur. Donc, c'est Voilà. aussi pour ça que c'est très important d'en mettre dans le Low & Slow, par exemple.
Exactement. En fait, et c'est là qu'il faut faire très très attention, c'est là que je disais tout à l'heure, il y a des règles à respecter, c'est que les rubs, en fait, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quelle viande en fonction de si on est en train de faire du low and slow ou si on est en train de faire du grill. C'est-à-dire que si je viens mettre du sucre sur même un filet pur ou une côte de porc, je vais venir mettre du sucre dessus si je veux la griller. Eh bien, mon sucre va brûler et ça va donner un goût acide, amer, vraiment pas bon à la viande du tout. Tandis qu'en low and slow, le sucre va fondre, va caraméliser la viande, va créer ce fameux bark, cette croûte un peu noire. Ça va C'est aider, ça, en tout cas, oui, le ouais. sucre va aider à ce bark, mais ça restera très agréable en bouche. Ok, ouais, bien sûr. Alors, tu vois, les premières questions apparaissent. Donc, le nom de son livre, je vous rappelle, c'est Smokehouse. Hein, vous allez retrouver un petit peu tout ce que l'on dit là. D'autres choses, donc, tu peux nous faire voir un petit peu ta feuille blanche, s'il te plaît, Roanne, parce que du coup, on me demande sucre. Bah, quand tu dis sucre, c'est sucre, cassonade, bergeoise, sucre vanillé. Oui, alors quand je dis sucre à la base, je parle de sucre de canne ou bien de sucre blanc traditionnel, quoi. D'accord, ok. Et quand on dit sel, c'est sel, gros sel, fleur de sel? C'est du sel de mer. C'est du bête sel de table. D'accord, sel de table. Ok. Du bête Oui, sel de parce que mer. moi, alors, on va juste faire une petite expérience comme ça avant de commencer les rubs. C'est quelque chose qui est assez important, je trouve, quand même, dans la culture barbecue, parce qu'il existe des livres et des livres consacrés aux rubs. Et en fait, je vais vous faire voir ici, tout simplement. On va prendre ça. Voilà. Et ça. Alors attendez, je vais pencher un petit peu l'écran. Comme ça. Voilà. Donc, hop, ici, vous voyez, j'ai mis ma petite balance de dealer. Hein, d'accord? Donc, je vais remplir une cuillère à café. Ici, vous voyez bien, ouais, de sel normal. Hein. Donc, voilà. Hop, regardez. Donc, là, on est à 8,77 g. Tard. Je fais la même chose avec du sel cachère, donc c'est ce qu'utilisent beaucoup les Américains. Ça correspond, alors tu vas me dire si je me trompe, un petit peu plus d'un point de vue volumétrique et densitométrique à de la fleur de sel. Oui, Alors, ça correspond plus au niveau volumétrique, oui. Tout à fait. Le sel cachère, en fait, ce sont des cristaux qui sont plus gros que les cristaux de sel de table. Et du coup, ben forcément, on a pas mal d'air entre les deux. Et donc, le sel cachère, en fait, c'est du sel de table, mais cristallisé. Et du coup, eh bien, enfin, il sale, pardon, moins que le sel de table. exactement. Et On a l'habitude de dire. Une cuillère à soupe de sel cachère, c'est une demi-cuillère à soupe de sel de table. Voilà, c'est ouais, voilà, c'est ça, à peu deux près. fois Parce deux, que quoi. À tu peu vois, près. donc j'étais à 8,77 et là, avec le sel cachère, donc toujours sur le même volume, je suis à 3,83. Donc Mais on est voilà. quasiment moitié moins, quoi, pour un volume identique. Pour un volume identique, Voilà, donc absolument. ça, c'est quand même très important quand on voit, je sais pas, je vais regarder des chaînes YouTube, des livres ou des choses comme ça, eux, ils utilisent le sel cachère, mais qui n'a pas du tout le même volume. Et pour éviter d'avoir un truc imbouffable, parce que c'est deux fois plus salé, il faut diviser cette quantité-là. C'est quelque chose de très important à savoir. Par deux, oui, c'est une erreur qu'on fait tous en commençant, je pense. Voilà. Allez, on t'écoute pour ce premier rub, parce que ça a déjà commencé. J'espère que ça vous intéresse. Dites-moi déjà en commentaire si vous avez des questions, si vous nous entendez bien, si vous appréciez le format. Apparemment, oui, parce qu'on a plein, je te le dis, on a plein de commentaires. C'est top, continue comme ça, bravo, vous êtes les rois du barbecue, etc. Les gens adorent ce format-là, donc ça m'encourage vraiment à le faire, parce que sachez que c'est énormément de travail derrière tout ça, des appels, des recherches et tout ça, des problèmes techniques aussi, mais c'est bon, là, tout fonctionne, donc on va continuer comme ça. Rohan, on t'écoute, je lis les questions, et puis je reviens vers toi au fur et à mesure. Donc, je vous ai dit, je prends ma base qui est classique à tous mes rubs. C'est pour l'exemple, évidemment, que j'ai facilité la chose. Sel, sucre, paprika, à dose égale. Donc, je vais prendre une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de paprika. Le paprika apporte, je vous ai parlé tout à l'heure, on a le côté salé, donc que le sel apporte. On a le côté doux que le sucre apporte et qui va aider à la formation du bark, de la couleur.
Et alors, on a le paprika. Alors, est-ce que le paprika apporte grand-chose? À part de la couleur, honnêtement, le paprika n'apporte pas grand-chose. Alors, Mais c'est... sauf peut-être le paprika fumé ou paprika pimenté, quoi. Exactement. Alors, quand je dis paprika, je parle toujours de paprika doux. D'ailleurs, je vais le chercher. Ouais. Je t'écoute. Donc, ici, voilà, j'ai du paprika doux en poudre, qui ne correspond pas, évidemment, au paprika fort ou au paprika fumé. En fait, le paprika fumé, c'est du paprika doux, mais qui a été fumé, donc tout simplement. Pour construire mon rub, je vais prendre un petit conteneur pour vous montrer et qui va me faciliter aussi pour le mélanger après le rub avec le couvercle. J'ai une première question, Rohan. Quel doit être en moyenne le pourcentage de sel dans un rub? Il n'y a pas de règle. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de pourcentage de sel dans un rub. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le sel et donc qui vont en mettre nettement moins, d'autres qui sont très salés et qui vont en mettre un peu plus. Voilà. Bien sûr que si je prends un rub texan, par exemple, où je sais que je vais faire le fameux rub dalmatien, donc 50-50, 50% de sel, 50% de poivre. OK, ça, je sais que c'est pour le bœuf uniquement, en low and slow, pour le brisket, pour les beef ribs, etc. Mais si je prends mon rub sucré que je vais faire là maintenant pour les ribs, par exemple, eh bien, sur ce rub-là, je vais juste mettre une cuillère à soupe de sel pour 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre. Donc, je n'ai pas de règle au niveau du pourcentage de sel à mettre dans un rub. OK. Bon, allez, on commence. Alors, tu m'as dit part égale. Oui, une cuillère à soupe. Et paprika. Hein. Oui, sel, allez, sucre, paprika. Je t'écoute. Moi, je vais faire. Voilà, je vais faire celui-ci. Ah, en fait, tout à l'heure, je me suis trompé pour. Ah non, je ne m'étais pas trompé. Pour le test, c'était la même cuillère. Donc voilà, je mets 1. Donc ces cuillères-là, on les trouve facilement partout, hein, à Carrefour, Amazon, machin. Enfin, toi, tu as même pris une cuillère totalement normale. Hein, pour l'exemple, tu prends Le volume. Mm-hmm. Hop, et le sel ici. Et le sucre, je veux dire. Oui. OK. Alors, ceci donc, ce premier... C'est déjà un rub, en fait. C'est un rub ultra basique, mais c'est déjà un rub. J'ai mon sel, j'ai mon sucre, j'ai le paprika pour la couleur. J'ai donc déjà un rub de base que je pourrais, et je vous encourage à le tester sur un petit morceau de poulet ou bien sur toujours tester ça sur des viandes qui coûtent pas des fortunes, évidemment. Un morceau de poulet, un petit morceau de côte de porc ou de lard. Qui passe bien. C'est un petit peu comme on va dévier un petit peu, mais un petit peu comme les bois de fumage. C'est vrai qu'il y a des viandes, le poulet ça passe bien, le porc ça passe bien. On peut tester beaucoup de choses. Ça, voilà, il y a pas trop de risques parce que ça se marie avec beaucoup de choses. En plus, le porc ça va très bien avec tout ce qui est sucré, les mignons, pruneaux, machin. Donc ça va super bien. Donc on peut tester là-dessus. Hein. Voilà, je peux déjà tester ça. Donc là, je vous explique comment moi je construis un rub. Pour moi, évidemment. Oui, bien sûr. Après, vous ferez évidemment comme vous le souhaitez. Alors, de cette base, sel, sucre, paprika, si je veux faire un rub pour des ribs, vous savez que les ribs, on va les caraméliser, donc ça va être assez sucré, surtout dans les États du Sud des États-Unis, c'est même excessivement sucré. Donc, eh bien, je vais rajouter forcément... Je vais avoir besoin de plus de sucre que de sel. Ici, pour l'instant, j'ai 1 pour 1. Ça va pas me convenir du tout. Bon, je le sais par expérience, mais ça va pas me convenir du tout. Donc, je vais pouvoir augmenter ma dose de sucre. Alors, à chaque fois, entre chaque manipulation, chaque nouvelle étape, je vous incite à goûter et à tester. Goûter, déjà, on peut le goûter tel quel. Mais c'est dangereux de goûter un rub tel quel. On le fait tous, hein, dans les magasins aux États-Unis, il y a toujours des testeurs, où on peut goûter les rubs avant de les acheter. C'est génial, mais il y a un danger avec ça, c'est que certaines épices, leur goût se modifie totalement une fois que ça cuit.
une fois qu'elles cuisent. Alors Et exactement. donc, Alors je ne suis pas sûr qu'après le Covid, il y a encore des testeurs comme ça. Oui, non, je pense pas non plus, effectivement. Ça va se faire rare. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut goûter l'Europe comme ceci directement pour avoir une idée de ce que ça va donner au niveau de la saveur, au niveau du côté sucré, mais que ça ne va pas refléter forcément la réalité au niveau de la cuisson. Oui, exactement. Ça, c'est comme un vin, hein, on va dire. Moi, juste pour donner un petit peu mon expérience là-dessus, c'est vrai que par exemple, quand je vais chez mes amis à Barbecue Québec, on boit donc les rums avec un testeur. Donc, on va voir. Donc, on va déjà regarder un petit peu la composition parce qu'ils sont forts pour avoir des belles étiquettes qui donnent envie aux États-Unis, notamment. Et du coup, on peut sentir un petit peu comme ça, mais évidemment, c'est comme un vin. On va déjà regarder la couleur, donc voir s'il est tout blanc, ça veut dire que peut-être il y a beaucoup de sel, évidemment, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, des fois, sur des rubs vraiment pas chers, ça va être un truc hyper salé, ça va être imbouffable, ça va absolument pas utilisable. Donc, on peut regarder la couleur comme ça. Ensuite, on peut sentir, et moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez, dans le creux de ma main, ici, là, j'aime bien en déposer un tout petit peu, et en mode un petit peu tech-paf, quoi. On va goûter pour voir un petit peu ce que c'est. C'est comme un vin, quoi. On peut regarder sa robe, la couleur, etc. Mais ça ne nous donne pas le goût, ce que c'est. Et d'autant plus que nous, au barbecue, comme il y a la cuisson, ça va modifier énormément de choses, quoi. Autre chose que je voulais signaler, c'est que quand je vais goûter mon rub maintenant, il faut savoir que le sucre va saturer un petit peu les papilles au niveau de ma langue et les récepteurs au niveau du palais. Ce qui veut dire que si je viens rajouter maintenant une épice, eh bien, ma perception du rub sera déjà modifiée puisque j'aurai déjà eu une première saveur en bouche. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Ça, c'est important aussi de comprendre. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de faire des essais de cuisson. Avant de se dire, ok, je vais modifier ça ou je vais ajouter ça ou je vais retirer ça parce que ça c'est trop salé ou trop. On ne l'a pas cru, quoi. C'est ça que tu veux dire, quoi. Il Oui. faut vraiment s'assurer de comment il tourne à la cuisson, quoi. Absolument, C'est très absolument. intéressant, ça. OK? Donc Bon. voilà, j'ai ma base 1-1-1, un sel, un sucre, un paprika. Je note sur ma feuille en même temps, je vous montrerai la feuille après. Donc j'ai un sel, un sucre, un paprika. Ok. Ici, je veux faire un rub pour les rips, donc je sais que c'est un rub qui va ajouter directement une deuxième unité de sucre. Maintenant, j'ai plusieurs solutions au niveau du sucre, et là, c'est bien qu'on en touche un mot aux gens parce qu'il y a des sucres qui apportent quand même beaucoup de saveur. J'ai de la vergeoise blonde, qui est du sucre de canne blond. Il y a la vergeoise brune, la cassonade brune. En France, vous l'appelez peut-être pas comme ça, je ne sais pas exactement, mais en Belgique, on Cassonade. dit hein, c'est cassonade brune. Voilà. Ah, mais là, moi, c'est dans le nord de la France, il me semble, on trouve de tout. Ouais, mais on a aussi le sucre d'érable, par exemple. On a de la poudre de miel. Il y a pas mal de choses qui peuvent apporter un pouvoir sucrant. Parfois même beaucoup plus sucrant que le simple sucre et qui apporte en même temps des saveurs. Le sucre d'érable. Tout à l'heure, Rafa, on parlait à deux du sucre, du rhum, pas Montréal, mais ah non, le rhum du trappeur, c'est possible? Oui, ça se peut, ouais. Eh bien, dans le rhum du trappeur, c'est du sucre de canne, du sucre d'érable Du sucre d'érable. OK. qui va Donc, apporter des saveurs d'érable. pour celles et ceux qui veulent mettre du candérel, Ah non. Aspartame. je fais l'avocat du diable. Allez, on continue. Je note vos questions là, hein, parce que j'ai plusieurs petites questions, mais je préfère qu'on avance vraiment sur les robes. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Mais apparemment, ça vous intéresse énormément. Vous êtes 310 personnes à nous suivre comme ça. Vous suivez, donc c'est vraiment top. On va continuer. Alors, qu'est-ce que tu as fait là, mon Tiroan? Explique-moi Donc, comment je ça viens marche. d'ajouter une deuxième unité de sucre blanc Yes. pour la démonstration, quoi. OK? Donc, je me retrouve avec deux sucres, un sel, un paprika. Je peux goûter maintenant mon rhum. Alors, en bouche, pour moi, Bon, déjà, il éclaircit, hein, de fou. Ah oui, il éclaircit, bien sûr. OK. En bouche, pour moi, je sens plus le sel que le sucre encore. J'ai vraiment ce sel qui ressort. Je voudrais maintenant lui apporter de la saveur à cette base. Et avant de rajouter du sucre, je vais plutôt m'orienter vers des saveurs pour ne pas faire de bêtises, puisqu'on a des saveurs qui peuvent aussi donner
une sensation de sucré sans forcément être sucré. Je pense notamment à la cannelle. Alors, la cannelle, c'est une épice que j'apprécie et que je mets dans beaucoup, beaucoup de rubs, que ce soit les rubs orientaux ou bien que ce soit les rubs américains. Moi, j'aime la cannelle. Alors, tout le monde n'aime pas forcément, mais j'adore la cannelle. Et je mets très régulièrement de la cannelle dans mes rubs. Ce que je veux dire, c'est que la cannelle va apporter une saveur sucrée, douce, à mon rub, sans devoir ajouter forcément du sucre. OK ? Donc, alors là, par contre, la cannelle, c'est très, très fort. Donc ici, je vais plutôt utiliser une cuillère à café, voire même une demi-cuillère à café, avant de gâcher ce que j'ai déjà fait, parce qu'on va avoir trop de saveur cannelle dans le rub. D'accord ? Ouais. Donc je vais prendre une cuillère à café de cannelle. Hop. Ah, cannelle. Cannelle. Cannelle, c'est bon. Et moi, j'ai mes petites épices que j'ai toujours apportées de main ici. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des épices comme ça, comme la cannelle, le cumin. Dès qu'on en met, pouah, ça explose la saveur. Hein. Voilà. Okay. Est-ce que tu as un nom pour ce premier rub, Rohan ? Ouais, enfin moi, je l'appelle le rub classique. D'accord. Maintenant, on l'appelle comme on veut. Non, parce que je te lis les questions en même temps. On me dit aussi, ah, est-ce qu'il y a des rubs que vous conseillez, etc., sur tel site internet ? On est là vraiment pour faire du fait maison aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, on ne va pas parler des robes. On pourra en discuter sur le groupe Barbecue et vous. Il y a plein de choses qui existent, tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment profiter de l'expérience de Rohan pour qu'il nous montre ses meilleures robes. Et la meilleure des choses, je vous ai dit, c'est votre carte d'identité. Donc, c'est ce que vous allez faire. Absolument. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as goûté le rub, Rafa. Je vais mélanger, là. Ouais. Parce que moi, je parle toujours beaucoup. Donc... Je crois que ça se voit. Okay. Moi, j'adore. Tu sais que moi, l'un de mes... Et je trouve que c'est une vidéo qu'on n'a pas assez vue sur le poulet jerk, mais là-dedans, il y en a également dans le 4 épices, là. Et c'est quelque chose que j'adore, moi, un poulet comme ça. Ça ne fait pas vraiment du sucré salé, mais ça donne un goût qui est super. Et là, j'aime beaucoup la couleur. Ça a vraiment changé énormément de choses, quoi. Voilà. Alors, en parlant de couleur, pour les gens qui veulent... Essayer des choses qui sont neutres. On a par exemple le curcuma. Alors le curcuma est très jaune évidemment, apporte très très peu de saveur à un rub, mais par contre beaucoup de couleurs. Ah voilà, ouais, c'est un exemple, mais ça marche très très bien. Alors si tu goûtes le rub maintenant, tu vas moins sentir le côté salé qu'on avait tout juste avant, ouais, avant ça... de mettre cette cannelle. Ah ouais, pourtant, ça adoucit énormément quoi. Voilà. Alors maintenant, donc, j'ai le côté salé, j'ai le côté sucré, j'ai un premier parfum qui est la cannelle. Ce que je n'ai pas encore, c'est le côté piquant, le côté relevé. Alors le côté relevé, kick, hein, c'est ça, c'est le, voilà, le kick qui revient, ça c'est important hein, dans la cuisine. Exactement. Alors ce kick, je vais l'avoir comment ? Je vais l'avoir avec du piment bien sûr. Alors, au niveau des piments, mais c'est infini, évidemment, le nombre de piments qu'on peut trouver. Ben, le plus classique, c'est le poivre que tout le monde a, c'est du poivre. Et on va l'utiliser, d'ailleurs, le poivre, dans plein de rubs. Ici, je vais utiliser du poivre. Mais si je suis, et on le verra tout à l'heure avec le rub Texas, si je suis au Texas, par exemple, je vais utiliser du chili powder, qui est un mélange d'épices, mais à base de piment chipotle, donc le piment jalapeño séché. Ici, c'est très important ça, Rohan, je te coupe juste. C'est vrai que souvent dans mes vidéos, quand je parle de la poudre de chili, les gens se posent la question, est-ce que c'est du chili, c'est du chili, du piment écrasé en poudre? Est-ce que c'est genre les épices à chili comme il y a chez Ducro, je crois qu'ils en font, là c'est des trucs, oui je sais plus, enfin chez Ducro ils font des épices chili, épices paella, épices tagine, je sais pas trop quoi. Un mot juste sur ça. Oui, alors vraiment, ça c'est hyper important, c'est que le vrai chili powder, ce qui donne ce goût typiquement Tex-Mex, typiquement mexicain au plat, etc., c'est le vrai chili powder. Alors évidemment, je suis désolé de dire ça, mais chez Ducro, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le chili powder. Le vrai chili powder, c'est un mélange d'oignon, d'origan, d'ail,
et de chipotle, donc le fameux piment jalapeño, cette poudre très brune en fait, qui est le piment jalapeño qui a mûri, donc il devient rouge, qui a séché et qu'on a pulvérisé. Voilà, c'est ça le vrai chili powder. Et ça n'a rien à voir avec les épices à chili qu'on peut trouver dans les magasins chinois. J'en ai déjà acheté, hein, j'ai fait mes expériences, parce que le problème, évidemment, c'est que pour nous, Européens... Comment acheter la matière première, quoi. Voilà, acheter du vrai chili powder, c'est compliqué. Il faut, faut passer par, par Amazon. Ça coûte assez cher en transport, TVA, dédouanement. Enfin bon, c'est toujours la même rengaine. Mais malheureusement... Le chili powder, soit vous le faites vous-même, soit c'est irremplaçable. Vous pouvez pas remplacer le chili powder par du piment de Cayenne. Ça a rien à voir. On a ce côté fumé, ce côté, ce mélange d'épices que moi, je conseille aux gens de faire, de faire soi-même ou de pouvoir trouver sur une plateforme. Je crois que sur Amazon Angleterre, ça coûte beaucoup moins cher à faire revenir que des États-Unis. Ensuite, ouais. Qu'est-ce que l'on met là-dessus? Moi, je vais aller chercher un truc, je reviens. Alors, moi, là-dessus, je vais mettre du poivre. Alors, le poivre, toujours délicat avec le poivre. Je vais moi, mettre ce que je voulais te parler, c'est ça, regarde, j'avais oublié de le sortir. C'est de la moutarde en poudre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose pour apporter un kick. Mon Dieu, un jour, j'avais demandé à un patient, je te raconte l'histoire, j'avais demandé à un patient, oh, putain, tu vas aux États-Unis, tout ça, j'aimerais vraiment tester un truc. Donc, voilà, j'en mets dans mon poulet KFC, vous pouvez voir la vidéo. Et... il m'en a ramené 5 boîtes, mais en fait, c'est interminable comme truc parce que ça arrache vraiment. Ouais, là, j'utilise énormément de moutarde en poudre, voilà la mienne que je trouve chez Metro en voilà. France. Mais quand on ne trouve pas, moi, ce que je dis aux gens par rapport à la vidéo, justement, c'est de prendre des graines de moutarde qu'on peut moudre ou des choses comme ça. C'est ça, hein? Exactement. Là, ce sont mes graines de moutarde, en fait, que j'utilise beaucoup pour le pastrami, parce que c'est vraiment nécessaire dans le pastrami. Mais je vais les mixer simplement dans un moulin à café, et j'ai la même poudre que ma moutarde en poudre. Ok. Allez, on avance parce que là, ça fait déjà 37 minutes qu'on est là. On n'a pas voilà. Vu les premiers rubs, mais on vous a déjà donné énormément d'informations. Hein, donc, comment construire le rub. Allez, on continue. Du coup, là, t'as mis combien en poivre? J'ai pas suivi. J'ai mis une cuillère à café de poivre. Ok. Poivre concassé, moulu, comment? Moulu, poivre noir, moulu. Ok. Moi, je vais mettre ça. Voilà, ça doit être ça. Ok. Ça arrache. Ah non, c'est pas le poivre qui arrache. C'est quoi? Tu vois. quand tu sens le rub avec du poivre moulu, c'est terrible. Voilà, donc là, franchement, cette base-là est toute bête, ouais. Mais j'ai déjà une base pour faire un rub pour le poulet ou pour les ribs. Je pourrais déjà travailler parce que j'ai du sel, du sucre, une petite saveur avec la cannelle et mon poivre qui amène le petit kick, voilà, super. Qu'on a derrière. Alors, à partir d'ici, j'ai mon rub. Maintenant, je m'éclate. Je d'accord. M'éclate avec quoi? Donc, Juan, juste pour refaire un point actuellement, oui. Hein, donc on est avec Juan de chez Smokehouse, administrateur du groupe Barbecue et vous, on vient de passer les 8000 personnes d'ailleurs, abonnez-vous hein, pour retrouver tout ça. Pareil, la vidéo, là, le live, je la laisse sur ma page, donc vous allez continuer de pouvoir voir ce live même après. Il a écrit le livre Smokehouse que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur sa page, etc. Allez liker d'ailleurs Smokehouse. Et pour le moment, on a fait la première partie du rub. Donc, on a mis un volume de sel, un volume de sucre, un volume de paprika, la moitié de cannelle et donc la moitié de poivre. Voilà. Et donc, voilà, tout est remarqué ici. Donc, sel, sucre x2, oui, excuse-moi, paprika, moitié cannelle, moitié poivre. En volume, toujours. Ok. Alors, voilà, c'était pour refaire un point pour que les gens puissent bien nous... Et tu as bien raison. Donc maintenant, la suite, c'est je m'éclate. Je vais m'éclater avec quoi? Je vais m'éclater avec de l'ail en poudre. L'ail, on va le retrouver dans énormément de rubs. Ail en poudre, ail en flocon, ail en granulé, peu importe. Moi, je conseille toujours plus la poudre parce que ça caramélise mieux. Simplement, quand ça se mélange au sucre, ça caramélise mieux que les granulés. De temps en temps, on a une petite pâte là qui se forme au-dessus du ribs, pardon. Ce mélange d'épices qui vient un peu gluant parce qu'on a utilisé des flocons, parce qu'on a utilisé des granulés. Donc, pour moi, l'ail en poudre est vraiment plus adapté. Mais et donc, l'ail. Ici, il n'y a que de l'ail en semoule. Prenez de l'ail en semoule. Oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien. Moi, j'aime bien parce que ça donne vraiment un bon goût. Et en plus, on les trouve facilement en gros contenants qui sont. Il est où mon Texas? Je sais même plus. Bon, en gros, en contenant un petit peu. Ah, il est là. Voilà. On les trouve en contenant comme ça. Et donc, ça, on peut les réutiliser pour se conserver, hein. D'ailleurs, si on peut dire un mot sur la conservation des rubs, parce que c'est une question qu'on pose comme ça. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser. Tu vois, là, c'est mon Texas Rub ici. Et ça, c'était un bidon de poudre d'ail, quoi. Ok, j'ai pas tout entendu, mais c'est pas Ah, grave. je disais que c'est mon bidon de poudre d'ail, donc c'est bien de prendre ça. Et que pour la conservation, si tu pouvais nous en dire un petit mot, c'est une question qu'on nous pose, quoi. Alors, ben, les rubs, ça conserve très 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 longtemps au sec. Il y a énormément de gens qui en font en début de saison, qui font des grosses quantités, qui vont pouvoir utiliser toute l'année. Au sec, fermé évidemment, Hermétique. hermétique, dans un container. Si maintenant vous avez peur que le rhum cristallise un petit peu à cause du sucre, etc. Vous pouvez très très bien prendre un sachet de thé, par exemple, retirer le thé, venir mettre quelques grains de riz dedans, et le riz va absorber l'humidité du rhum dans la boîte. Voilà. Ouais, exactement. Et puis, bah voilà, on peut les stocker comme ça, boîte hermétique. On peut les stocker aussi. Alors, ça, c'est une manière originale que mes amis de Barbecue Québec avaient fait en test. C'est dans des tubes à essai. Donc, ça vaut rien du tout. Je crois que ça vaut 30 centimes. Pareil sur Amazon, enfin, tout ça. Et du coup, si on a des fonds de rub, bah, c'est un petit conseil que je peux donner. Vous écrivez avec un marqueur dessus. Et en fait, ça contient déjà pas mal, hein, parce que. On répondra tout à l'heure, mais il y a une question sur est-ce qu'il y a un indicateur sur quantité de rub par rapport à quantité de viande? Enfin, voilà, on en discutera tout à l'heure, mais là, je préfère qu'on continue sur le rub parce que sinon on va Ok. se déborder. Donc ici, j'ai mis de l'ail. J'ai mis une cuillère à soupe d'ail. Une cuillère à soupe, donc un Une unité. volume. Voilà. Le fait ensemble, hein, on fait ensemble. Yes. Alors, ben, si tu goûtes, tu vas te rendre compte que l'ail est quand même fort présent. Ah oui, ça c'est un truc. C'est vrai que poudre d'ail, poudre d'oignon, c'est des trucs qui prennent vraiment bien le goût, hein. Voilà. Alors justement, eh bien, si tu veux, ici par exemple, je trouve que ça goûte un petit peu trop l'ail. Eh bien, si je viens rajouter maintenant de la poudre d'oignon, je vais déséquilibrer la force de l'ail, si tu veux. Donc, je D'accord. vais amoindrir la force de l'ail avec de l'oignon. Enfin, ça dégage grave aussi, hein. Ok, et alors Et qu'est-ce que. pourtant, Hein? on a mis cuillère à café de poivre, hein, on n'a rien mis d'autre, hein. Oui. On te suit, on te suit. Alors. Voilà. Alors, moi perso, j'adore le cumin. Il faut être très très prudent avec le cumin parce que c'est vraiment violent comme goût. Et donc, je propose de mettre simplement un quart de cuillère à soupe, donc une demi-cuillère à café de cumin dans le rhum. Ok. Alors. On est en train de me clasher là dans les commentaires, Juan, en disant waouh, la différence entre les pots de Rafa de machin. On a les mêmes, hein. C'est parce que je vous fais pas tout voir, mais dès qu'on aime les robes comme ça, donc ça, ce sont des robes métro. C'est une question qui revient également régulièrement sur le groupe Barbecue et vous. Bon, déjà, moi, j'en ai une quantité phénoménale, il faudrait une étagère rien que pour ça. En plus, je ramène toujours La ça France. voilà, je ramène toujours ça des États-Unis. Au final, ça se stocke dans l'étagère et puis je les utilise pas si souvent que ça. Il faudrait que je les utilise beaucoup plus. Mais souvent, c'est une question, ouais, comment on fait pour se procurer des épices en grande quantité comme ça? Donc, on en trouve à Métro qui sont très bien. Il y a différentes marques, il y a plein de choses en grosse quantité. Si vous n'avez pas de carte d'accès à Métro, demandez à un ami restaurateur, je sais pas, à votre boucher, parce qu'ils vont acheter des mélanges merguez ou des choses comme ça, à votre charcutier. Enfin, demandez à un professionnel, voilà, il pourra très certainement vous dépanner sur des grosses quantités comme ça. Ou alors, si c'est une assoce, moi je sais que voilà, il y a une assoce de rugby à côté de chez moi. Si je leur demande, bah, tiens, tu veux pas aller chercher tout ça? Enfin, ça se trouve très très facilement comme ça. Voilà, c'était juste le petit aparté là-dessus. Oui, mais tu fais bien de le dire et je vais même préciser si vous avez dans le coin les supermarchés asiatiques, Ouais, ah ouais, c'est eux, vrai, eux utilisent beaucoup, c'est vrai. ils ont pas mal de gros volumes et vraiment pas cher.
Hashtag Logne, Noisiel, Bussy-Saint-Georges comprendront les Seine-et-Marnais. Où là, il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est là où Tang Frère s'est développé et tout. Et puis là, c'est vrai qu'on retrouve les sachets gingembre aussi. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais gingembre, cannelle, poivre, tout ça, ils ont des super mélanges. Et en plus, les ribs, les travers de porc font vraiment partie de leur culture. Donc, voilà, il y a des mélanges vraiment, vraiment sympas à voir. Ok, allez, on continue. Moi, j'ai mis mon ail. Ton cumin, Mon cumin, oui, excuse-moi. Ah, il faut que je goûte, là, voilà. du coup. Voilà. Ah, là, on voyage. Là, ouais. Je sentais que là, voilà, ça apporte une touche un peu plus orientale, on va dire. Peu, ouais. Ouais, là, on voyage, c'est bon, moi, j'aime bien aussi comme ça. Et cumin, cannelle, ça va bien ensemble, je trouve, hein. Ça marche très très bien. Oui. Alors, moi je propose qu'on n'aille pas plus loin pour ce Ok. rhum, que les gens C'est en puissent déjà pas déjà. mal complexe, hein, parce que tu as mis sel, sucre, Voilà. paprika, cannelle, poivre, poudre d'ail, cumin. Cumin. 7 épices, très bien. Voilà, c'est déjà pas mal, déjà assez complexe comme ça. La seule chose que je pourrais dire sur ce rhum, en fait, c'est de, si vraiment vous voulez avoir un rhum qui ressemble au rhum qu'on va retrouver au Tennessee, au Mississippi, en Louisiane, donc des rhums qui sont très sucrés, vous pouvez franchement rajouter 2 voire 3 unités de sucre en plus, Ouais. sans toucher le reste. C'est que le sucre qui va faire la différence par rapport à cette base. Et d'ailleurs, on pose une question là directement sur la page Facebook. Est-ce que ça n'aurait pas tendance à trop dénaturer le goût de la viande, ces Alors, j'ai 2 choses à te dire. robes? On La s'énerve première. pas, hein, mon petit Juan. Alors, la première chose, c'est que, effectivement, c'est toujours délicat avec les rubs. Il ne faut pas, à un moment, c'est la base du barbecue, c'est que la viande, le goût du porc doit être là. Quand on mange des ribs, on doit manger du porc. On doit avoir le goût du cochon. Si je fais un rub pour le poulet, eh bien, le rub, en aucun cas, ne peut prendre le dessus sur le goût de ma viande. Et quand je dis que j'ai 2 choses à dire, c'est que la première, voilà, je suis tout à fait d'accord avec pour les rubs, et c'est équivalent aussi pour les sauces, hein, qu'on va mettre pour caraméliser les ribs, par exemple, pour laquer ou quoi que ce soit. En aucun cas, ça ne doit tuer le goût de la viande. Mais la deuxième chose que je veux dire qui est vraiment importante, c'est que c'est pareil pour la fumée. Les gens ont tendance un peu partout. Oversmoked. Voilà. Je vois énormément de commentaires. Ouais, comment je fais pour avoir plus de fumée? Comment je fais pour avoir un goût plus prononcé, etc. Et je le vois beaucoup. Bon, vous savez tous que je travaille avec Pit Boss, donc avec les barbecues appelés. Ça fait longtemps que je travaille avec ça, et on a beaucoup de réflexions, quelle que soit la marque. Hein, je vais pas citer les marques maintenant parce qu'on n'est pas là pour ça, mais quelle que soit la marque de barbecue appelée, les gens trouvent que le fumage est trop léger. Et moi, je réponds, je vais me faire huer, hein, c'est pas grave, pas de souci avec ça. Allez, avant même qu'ils disent, comme ça c'est fait. Le problème, c'est pas que ces barbecues n'apportent pas assez de fumée, c'est que les gens veulent du trop fumé. Et Exactement. ce trop fumé tue le goût de la viande. Et croyez-moi que quand je parle des barbecues appelés, toutes marques confondues, hein, peu importe la marque, leur fumée est une fumée parfaite. Et c'est ça qu'en fait, le vrai barbecue, c'est ça. C'est d'avoir cette fumée parfaite. Et donc, on n'a pas un goût super intense. Si un jour vous avez l'occasion, certains l'ont déjà fait, mais si vous avez l'occasion d'aller dans les États du Sud, ou bien au Texas, ou même en Floride, etc., goûter des vrais ribs, une vraie viande fumée au barbecue, même le brisket qui est fumé pendant 12-13 heures, si vous allez dans ces États, vous n'aurez jamais un goût trop prononcé de fumée. Bien sûr que ça va être fumé, c'est la base, quoi. Ils cuisent au bois, donc c'est normal. Mais ça ne va jamais tuer le goût de la viande. Et c'est Exactement, ça. ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est vrai que C'est vrai. quand on teste beaucoup de choses, des fois, bon, évidemment, hein, on rentre dans une smokehouse, ça sent la fumée, ça c'est normal. Le truc, bon, il ne faut pas que ce soit trop, il faut avoir une bonne gestion, il faut vraiment considérer la fumée comme un ingrédient parce que si c'est oversmoke, ça va développer l'inverse, ça va créer un goût âcre en bouche. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait commenté
annoncer sur le groupe Facebook Barbecue et vous, hein, allez vous abonner à ce groupe-là. Ah, ça donnait des aigreurs d'estomac, des choses comme ça, dès que l'aliment était fumé. Bah ouais, tout simplement, déjà, il faut voir dans quelles conditions le bois a été stocké, s'il n'y a pas trop de champignons, si la fumée n'est pas trop attirée. Et donc, déjà, sur le combustible en lui-même, mais ensuite sur la quantité de fumée. Quoi. Il ne faut pas que ce soit que ça développe trop, sinon ça donne une viande vraiment pas bonne. Pour prendre l'exemple du brisket, c'est vrai que moi, c'était une viande que j'appréciais pas trop et tout. En Floride, quand j'avais goûté chez une vraie smokehouse, wow, c'était vraiment bon, c'était pas juste un bœuf bourguignon fumé. Quoi. C'est-à-dire que ça apporte un goût comme un ingrédient. Voilà. Absolument. Après, on pourrait faire 50 lives rien que là-dessus, donc on s'arrête là parce que sinon, on est parti pour la journée. Voilà, donc mon premier hub que j'appelle hub classique est terminé. Allez, on avance un petit peu parce que du coup, ça fait 50 minutes. Bon, on a répondu à plein de questions, mais s'il y en a 4, on va manger à 15 heures. Exactement. Mais pour les autres, ça va aller très très vite puisqu'on a déjà tout expliqué au niveau du sel, du sucre, du paprika. Alors, le classique est terminé. Le classique est terminé. Je vous ai dit que si vous voulez vraiment l'utiliser comme on l'utilise aux États-Unis pour des ribs, par exemple, eh bien, vous pouvez franchement y aller sur le sucre, les vergeoises blondes, brunes, etc. Mais mon premier rub est terminé. Je vais faire un deuxième rub maintenant qui est d'une tendance Texas, donc un rub qui sera très très bien pour le bœuf. Pour les ribs de bœuf, qui sera très bien pour le brisket, qui sera très bien pour un train de côte un train de côte de bœuf que je vais fumer en low and slow. Tous ces rubs que je vous donne aujourd'hui, ce sont tous des rubs de low and slow. Ce sont pas des rubs qui sont censés être utilisés pour être grillés. Parce que les flammes, je l'expliquais tout à l'heure, je le rappelle, les flammes, la chaleur va brûler les sucres et donc vont provoquer un goût tout à fait âcre, acide, amer, qu'on ne veut justement pas avoir quand on grille une viande. Donc, ce sont des rubs low and slow. On a fait le premier, le classique, où je suis dans le cœur des États-Unis, je suis vraiment dans le berceau du barbecue américain. Je vais en faire un maintenant qui est Texas, donc plus bœuf. Je reprends ma base, comme tout à l'heure, sel, sucre et paprika. Donc, 1-1-1. 1-1-1. Allez, on y va. On y va. Allez. Oh, et les gens, les questions fusent. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits emojis, tout ça, si ça vous plaît. Je vois que vous êtes encore 300 à être présents. C'est vraiment super. C'est live. J'espère que ça vous plaît. J'en prévois d'autres avec... d'autres personnes qui ont des sujets aussi intéressants. Et donc, on est là vraiment pour poser les questions, pour bénéficier de l'expérience comme ça. Donc, c'est vraiment top. Voilà, hop. Et je mets mon paprika maintenant. Voilà, c'est bon, je suis bien. C'est bon. Moi, je suis bien. Voilà, ouais, plein de pouces, de cœur, ça fonctionne, ça va carburant. OK. Alors... ici, j'ai une dose de sucre, mais je vous ai dit tout à l'heure, au Texas, on utilise quasiment pas de sucre. J'ai une dose de paprika, et ce que je veux, c'est vraiment avoir ce fameux rub dalmatien. Donc, le dalmatien, pourquoi ? Parce que noir et blanc. Ouais, c'est ce que je faisais voir hein, juste avant, là. Hein. Moi, on le voit bien. Voilà. C'est les poivres. Je vais mettre une cuillère à soupe d'ail, comme ça j'ai la même proportion de sucre, d'ail et de paprika. Une cuillère à soupe. Alors, juste un truc, si vous ne voulez pas vous faire engueuler par les autres, quand votre cuillère vous avez mis du paprika, nettoyez-la un petit peu, parce que si vous mettez du paprika dans le sel, dans le machin, après, voilà, juste un petit conseil. Est-ce qu'on est pour la paix des ménages. Allez, je mets ma petite... cuillère à soupe de poudre d'ail, du coup. Pour griller, ce sera plus le Texas ou le Cajun qu'on me pose comme question, Juan. Le Cajun. Le Cajun ou le Texas, oui, mais sans sucre. Il faut un live sur le fumage. Ça peut être un live, bien sûr. Est-ce qu'on aura accès aux ingrédients ensuite ? Bien sûr que je laisse le live comme ça sur ma page Facebook. Voilà, c'est top. J'ai déjà préparé toutes mes bases. Ils sont taqués, les gens, hein, je te le dis tout de suite.
Voilà, donc low and slow, on rappelle, hein, ça veut dire basse température, donc on est aux environs de 100-130 degrés sur des longues durées, donc c'est ce qui va rendre une viande totalement juteuse, tout ça. Si vous allez sur ma page, sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a la brisket, les beef ribs, the short beef ribs, le pulled pork, etc., tout est marqué. Ok, allez, on continue. Okay. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai 1-1-1, sel, sucre, paprika et ail. On est bien d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, mon rub dalmatien, c'est du sel et du poivre qui doivent avoir la dominante sur tout le reste. Donc, je dois avoir, si j'ai un sucre, un paprika, un ail, je ne peux pas me contenter d'un seul sel. Je dois monter à 2 ou 3 sels. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas pour tout ce qui est brisket et beef ribs, c'est que le sel qu'on va utiliser n'est pas du sel de table, mais du sel cacher ou bien de la fleur de sel. Donc logiquement, je devrais prendre de la fleur de sel. Tout à l'heure, on l'a dit, ça sale 2 fois moins que le sel de table normal. Exact. On est bien d'accord jusque-là. Donc, en fait, je vais rajouter un sel, puisque j'ai déjà un premier sel, donc ouais. Ça me fait 2 sels, un sucre, un paprika, un ail. Ok, jusque là, on est tous ok. Voilà, et je dois rajouter, en principe, je dois rajouter 2 poivres. Comme ça, j'ai 2 sels, 2 poivres, okay. Un sucre, un paprika, un ail. Okay. Mais, alors le poivre, c'est la même chose. Si on prend de la fleur de sel, il faut aussi prendre du poivre concassé. Ouais, mais tu le trouves où ton poivre concassé? Moi, je me galère à chaque fois. Chez Metro aussi. Ah, d'accord. Après, je peux acheter du poivre noir et le mixer. Ouais, hein, c'est ce que je fais, moi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est poivre bon. Noir comme ça. Vous l'avez vu dans la vidéo de la brisquette. Je le passe dans mon blender vraiment quelques. Et puis ça suffit. Ou alors, sinon, si vous avez un bon moulin, honnêtement, moi, c'est un moulin Weber, comme ça. Eh ben, on peut régler ici. Je ne sais pas si vous le saviez, la taille de comment on va moudre le poivre. Et du coup, en faisant ça, ça suffit. Par contre, pour 1 gramme, il faut 5 tours. Quoi. C'est ça le truc. Tu as trouvé la taille 16 mèches? Bah, oui, c'est ça. La 16 mèches, exactement comme Aaron Franklin. Bah, sinon, on peut prendre tout simplement un moulin à café. Quoi, tout simplement, c'est ce qu'il explique dans son livre. Hein. Bien sûr. Alors, là, donc, mon poivre. Je vais mettre une seule cuillère à soupe. Alors, ça, c'est par expérience, parce que logiquement, je devrais en mettre 2 huit de sel. Mais par expérience, je sais que c'est du poivre moulu. Et donc, je sais qu'il est tellement fin qu'il va poivrer énormément. Ah, exactement. Et donc, avec une cuillère à soupe, j'aurai assez pour ce mélange. OK? Alors, donc, okay. Je mélange tout. Là, on est bien. OK? Voilà, alors qui dit Texas dit piment, dit cumin, donc dit même curry si je veux, mais je vais utiliser, en principe, je vais choisir le chili powder. Ça, c'est vraiment pour avoir les saveurs texanes, Tex-Mex en tout cas, le chili powder, ou bien la poudre de jalapeño qu'on peut trouver, jalapeño, la poudre verte ou la poudre rouge. D'accord. Ça, c'est chez Metro aussi, donc c'est pas introuvable en France. Qu'est-ce que je mets, moi, à la place? Tu as quoi? Qu'est-ce que je mets à la place, moi, du coup? Et qu'est-ce que tu as? Ah, d'accord, ben, en truc piquant? Ouais, en piment. Beaucoup de choses. Ají molido, c'est les petits piments secs. J'ai de la moutarde, j'ai du poivre. Ouais, j'ai plein... J'ai du curry. Ah, ouais, j'ai plein de choses. Eh bien, moi, je te dis simplement, laisse tomber, garde ton poivre et mets mets un peu de cumin. D'accord, cumin, j'ai ici. Oh. Et combien, ça? Alors, là, comme c'est un rub texan, je peux y aller un peu plus fort sur le cumin. Donc, ici, pour tout à l'heure, on avait mis en cumin, on avait mis 1/4 sur le rub classique. Ouais. Ici, je peux mettre carrément une cuillère à café, donc un demi. D'accord, un volume. Un demi-volume. Un demi-volume. Alors, attends, je change. Voilà. Voilà, c'est... OK. Tac, c'est good.
Ça sent, j'arrive même plus à sentir l'Europe dès que j'ai ouvert mon cul. C'est un truc de dingue. Ouf. Mais voilà. Là, moi, je ne bouge plus à rien. Pour moi, ça, c'est un rub texan. D'accord. Donc, un petit rappel. One. Ouais. Deux On sels. a fait deux unités de sel, Un sucre. un sucre, Un paprika. un paprika. Un poivre. Oui. Moitié cumin. Oui. Et un ail aussi, j'ai oublié. Exact. Et on est aussi à sept ingrédients comme tout à l'heure. Super. Voilà. OK? Ah, si, si, si. Et donc, c'est le nom de celui-ci? Texas, Tex-Mex, ce que tu veux. OK. Bon, tu vois, j'ai les deux là déjà. Parfait. Allez, un petit troisième du coup. Un petit troisième. Alors, on part Je sur la fais voyager où Colombie. là? On part sur la Colombie, quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus spécial, un peu plus Ouais. original. Donc, Bah, là, j'ai peut-être pas tout, hein, mais bon, c'est pas grave, on va tenter. Je garde un sel, un sucre, un paprika. Un seul. Un sucre. Un paprika. Un petit piment oiseau. Piment de Cayenne, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Piment d'Espelette aussi. Voilà. Le piment de Cayenne est très très fort, Ouais. donc il faut toujours y aller vraiment avec parcimonie. Ok. C'était, voilà, par quoi remplacer, hein? Je pense qu'il répondait à cette question-là. Ok. On demande si vu la quantité de rub, on a prévu de faire un barbecue géant cet après-midi. Bon, ça c'est pas grand-chose là. Quand on avait fait pour le resto aux planches, c'était, je sais pas, 5 kilos de Sopasco ou un truc comme ça. C'était un truc Ah absolument oui. énorme, quoi. Pour mes restos, je les faisais dans des seaux. Hein, Bah oui, c'est ça. Non, et puis, de toute manière, ça se conserve bien. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que même si ça a perdu un peu son goût, bah on en rajoute un petit peu plus, quoi, c'est tout. Absolument. Hein? Donc, en DLC, comme ça, donc en date limite de consommation, hein, dans les restaurants, une fois dans un pot hermétique et tout ça, c'est 6 mois. Donc, vous voyez, à la Ouais. maison aussi, vous êtes tranquille. Hein? C'est pas avec notre cuillère à soupe que ça suffit. D'ailleurs, pour information, on avait une question, Juan, est-ce qu'il y avait un pourcentage de rub par rapport au pourcentage de viande? Moi, je me suis rendu compte que sur un comment ça s'appelle? Attends, que sur une échine de porc de 2,5 kg, je mettais à peu près 80 grammes de rub. Voilà, donc ça, c'est. Voilà, ça suffit, quoi, c'est rien du tout. Et l'autre, on a combien? Ouais, voilà, donc on est très bien pour une échine de 2,5 kg, enfin, ça passe très rapidement, quoi. Alors, je te Alors, vois c'est pour un autre rub, du coup. J'attends toujours vos celle-ci. questions. N'hésitez pas à goûter. Quand vous goûtez, mettez des pouces, des likes, des j'adore ou des choses comme ça. Comme ça, les gens sauront un petit peu dans la vidéo où aller en fonction des réactions par rapport au rub qui vous a le plus plu. Déjà, n'hésitez pas actuellement à me dire un pouce pour le premier rub, c'est la frottée classique, et un cœur plutôt pour le rub Texas. Allez, j'attends vos réactions comme ça. En attendant, on va commencer le troisième rub avec toi, Juan. Donc j'ai repris la base sel, sucre, paprika. OK. Exact. Alors j'ai parlé de rhum colombien tout à l'heure. Donc Oui. je vais apporter là du café moulu. Ah, ben j'arrive, je vais le chercher. Alors le café moulu, c'est très très fort en goût. Donc forcément, je vais mettre juste une cuillère à café dans mon rhum. Ça suffit amplement. Ne Alors, pas... moi, le café, souvent on voit dans mes vidéos, là, j'ai mes petites. Moi, je suis très mocha italienne. Alors, j'ai tout ce qu'il faut en café. Ça, c'est d'un torréfacteur à Montpellier. Ça, c'est top. Voilà, après, il y a du Guatemala aussi, top. Et puis, sinon, il y a ceux-là aussi qui sont assez bien. Éthiopie, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai du Guatemala aussi, comme ça. Ça, c'est très, très, très fruité. C'est presque café-thé. Du coup, moi, je vais partir sur du Guatemala. Je mets combien de ça, Juan? J'ai mis une cuillère à café parce que le café est très fort et que je ne veux pas tuer tout le reste.
Et certainement pas le goût de la viande. Ça, c'est vraiment original. Hein. Moi, pareil, j'avais fait mon rub café sur le bœuf. Là, ça envoie une puissance. C'est vraiment incroyable, quoi. Ça marche très bien avec le bœuf, mais ça marche très très bien aussi avec le porc. Si vous avez l'occasion de caraméliser un morceau de lard, en low and slow avec ce rub-là, j'adore. Ah d'accord, ok. Mais un morceau de lard, une poitrine, tu parles ? Oui, c'est ça, oui, de la poitrine. Ok, parfait. Donc j'ai mis mon café. Alors moi, je vais rajouter quelque chose qui va surprendre. Faut pas le dire aux gens quand vous le faites parce que généralement ils vont vous dire non, pas ça. Moi, je veux pas goûter. Donc vous le dites pas, surtout. Mais vous le rajoutez quand même et vous allez voir que ça va plaire à tout le monde. Alors ça, c'est de la poudre de chocolat. Donc c'est pas du, c'est pas ce qu'on appelle du cacao. Enfin si, c'est du cacao, mais c'est pas de la pas poudre. Pas du Nesquik. On a compris. Ouais. Pas de je Nesquik. Je l'ai dit et puis les gens ont beaucoup rigolé. Mais moi j'en ai pas là, donc je vais faire sans. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, tu peux aussi, il faut y aller doucement avec le mixeur ou bien, mais tu peux râper du chocolat noir. Ah bah tiens, avec... je vais faire ça. J'arrive. Manuellement. Vas-y, continue, Juan, du coup. Ok, combien on met de ça ? Donc voilà, je vous montre hein, simplement, cette poudre de cacao n'a rien à voir avec, avec le Nesquik. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait, c'est juste de la poudre de chocolat noir. Moi, j'ai du chocolat noir dessert, comme ça. Voilà. Ouais, très bien, parfait. Et avec ma microplane, comme ça, je vais en mettre voilà. Un petit peu. Combien il en faut, à peu près ? Une cuillère à café. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, la microplane, c'est comme ça. D'ailleurs, ça, je vous le recommande. Hein. Ils sont partenaires du blog. D'ailleurs, à chaque fois, si vous regardez le soir, Cyril Lignac, il a ça. Donc, il suffit de mettre comme ça. Et en fait, sur le dessus, ça fait réceptacle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. OK. Vas-y, je t'écoute alors. Alors, je t'invite à goûter ce rub maintenant. Ah, attends, je pense que je n'ai pas mis encore assez. OK, parfait. Ah ben voilà, tu vois, du chocolat noir comme ça. Donc toi, c'est bien de faire ça en freestyle parce qu'au final, ça donne des alternatives aux gens. Ok. Allez, on va mélanger. Moi, j'ai mon petit fouet comme ça pour mélanger, mais on pourrait faire autrement. Ok. Ça, c'est bon, ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je trouve, tu vois. J'ai presque envie de l'essayer comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'essayer. Qu'est-ce qu'on a mis pour le moment ? Rappelle-moi, on a mis un sucre, un paprika, un café. Une demi-café. Une demi-café et une demi-chocolat. Hein. OK. Voilà. Et donc… maintenant, si je veux faire évoluer le rub, ben je peux venir. Donc, je dois rester dans l'esprit colombien, ok, ouais. Amérique latine. Donc, des saveurs peut-être un peu moins piquantes, un peu plus jouées sur les herbes, sur les saveurs. Donc, je peux venir de nouveau avec du cumin, je peux venir avec l'oignon, je peux venir avec l'ail. J'essaie de gagner du temps aussi par rapport au live. Hein. Donc, je peux venir même apporter un petit peu de cardamone, par exemple. Exactement. Voilà. Moi, dès que tu me parles d'Amérique latine, pour moi, c'est coriandre. Hein. Donc, coriandre moulu, ça, je le vois vachement bien là-dedans. Hein. La coriandre, c'est parfait. Ça donne toujours un côté un petit peu plus zesty, comme ça, qui est pas mal. Je pense que celui-ci fait un petit peu, on va dire, sombre, un petit peu velours. Et je pense qu'il voilà, il faudrait le relever avec un petit peu de zeste. Donc, coriandre, voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors cette acidité, on va aller la chercher effectivement dans quelques herbes. On peut aller la chercher dans la coriandre, on peut aller la chercher de nouveau dans le paprika, on peut aller la chercher dans de la poudre de tomate, on peut aller la chercher l'acidité. On peut aller la chercher dans des zestes de citron vert ou des zestes d'orange. Les zestes d'orange, ça serait juste magnifique. Je n'ai jamais essayé, mais je suis certain que ce rub, ça serait vraiment terrible. Regarde, moi j'ai trouvé ça à Biocoop, écorce d'orange. Ouais. Voilà. Ça, j'en suis sûr que là-dedans, ce serait vraiment top, top, top. On pose souvent la question deux fois, mais on l'a déjà dit, sur quel type de… D'ailleurs, je vais en mettre. Hein, je vais mettre comme le chocolat, une petite cuillère là. Sur quel type de viande ? Donc, on a déjà répondu. Hein, sur du bœuf, c'est très bien. Ou sur du porc, hein, tu disais. Oui. OK, parfait. Donc, voilà. Regarde, moi, je mets… Ah ouais, là, ça apporte une saveur fruitée. J'étais étonné de trouver ça à Biocoop.
Moi, j'aime bien aller là-bas parce qu'ils ont la farine de maïs pour le cornbread. C'est exactement celle qu'il faut. Et puis, on n'en trouve pas partout, mais là, on le trouve. Eh bien, vas-y, mets un demi de coriandre en plus, parce que la coriandre avec l'orange, avec le café et le chocolat, ça va juste être parfait. Coriandre. Mais pareil comme l'autre avec un demi. Un Et en demi, fait, ouais. c'est vrai que ça pourrait faire peur aux gens. En fait, il ne faut pas dire ce qu'il y a dans le rhum secret. C'est pour ça qu'il est secret. Parce que tu dis qu'il y a café et chocolat, je ne suis pas sûr que les gens sautent dessus. Et pourtant, tu vois ça avec vraiment ce côté velours, avec un vin super tannique et tout ça, sur une côte de bœuf. Hein, je le vois vraiment, vraiment. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est le prochain truc qui va passer, hein, ça c'est sûr. Voilà, et si moi je devais apporter maintenant un petit peu de le fameux kick qui nous manque peut-être dans ce rhum, je viendrais soit de nouveau avec du chili powder pour être vraiment authentique, ou alors avec du piment, une pointe de piment de Cayenne, un peu de plus de poivre noir ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Donc, coriandre en graines ou coriandre séché comme on l'a fait, hein, là, y a les deux. Une cuillère à café de moutarde, ça serait parfait aussi. Ça marcherait très très bien et ça permettrait de colorer encore le rhum différemment. Et quel type de café? Bah, celui que vous voulez, hein, c'est du café Oui, mousse. bien sûr. Voilà, moi j'adore le café, je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a celui du Guatemala qui est vraiment passe-partout, super. Le mexicain qui envoie vraiment, il est vraiment fort. Moi, c'est pas celui que je préfère, j'aime beaucoup. Comme ça, ou Salvador, je ne l'ai plus ici. Moi, je suis très café Amérique latine. Ensuite, il y a du café d'Éthiopie, comme ça, je vous ai dit, c'est un café qui est assez floral, qui aurait pu aller avec ce rhum là. Hein. Donc, vraiment, on a l'impression de boire du café-thé avec ça. Donc, voilà, il en existe plein différents. Allez voir les torréfacteurs. Là, c'est un torréfacteur à Saint-Aunès dans le 34 qui a fait ça. Merci pour le cadeau. Ma belle-mère, donc, tu vois, tout le monde n'a pas envie de posséder sa belle-mère. Moi, j'aime beaucoup et donc elle m'avait fait ce cadeau que j'adore, franchement, top. Ok, allez, on peut passer à un autre rub du coup? On va terminer avec un rub pour l'agneau. Allez, parfait. On fait ça. Donc, on va dire que pour le moment, le rub classique, on va avec tout, hein, volaille, porc, machin. Le rub Texas va très bien avec le bœuf. Ça va bien avec bœuf et porc également. Et puis, on va partir sur de l'agneau maintenant. Agneau et volaille. Agneau, volaille. Bon, de toute manière, volaille, même le café sur la volaille, ça va bien et tout ça. La volaille marche avec tout quasiment. Donc. En fait, hein, je regardais, il y avait une émission la dernière fois sur France 5 qui expliquait le café, que les gens en avaient marre de boire des jus de chaussettes et tout ça, et que maintenant, dans les restos, il y a beaucoup de sauces au café également qui se font. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'utilisation des rubs autres que sur la viande. On en parlera juste après. Là, on va vraiment faire ça. Pour ceux qui prennent le live en cours, donc on va attaquer le quatrième rub. Les rubs, c'est un mélange d'épices secs. Et donc, on va discuter de tout ça. Je t'écoute pour le quatrième rub. Le spécial agneau et volaille. Alors, je reprends ma base, sel, sucre, paprika, un de chaque. Y a beaucoup de questions sur le rub Cajun. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît, Juan? Alors, qui dit Cajun dit. Ça m'arrache. Pardon? Arrache. Arrache, exactement. Pas que tu as une Alors, page après. les rubs Cajun, on va utiliser du chili powder, on va utiliser du poivre blanc, on va utiliser pas mal de mélanges de piments différents. Mais de nouveau, quand vous dites un rub Cajun, en fait, ça veut rien dire parce que C'est ça, exactement. c'est une tendance. Il n'y a pas une recette de rub Cajun. Il y a, si vous allez un jour à la Nouvelle-Orléans ou à Baton Rouge ou bien peu importe, vous allez trouver dans n'importe quel magasin, au moins 30 ou 40 rubs Cajun différents et qui seront encore les rubs commerciaux. Donc, chacun a sa propre recette de nouveau. Mais la tendance générale, c'est effectivement le chili powder qu'on retrouve très, très fort, qui est très emprunt en Louisiane. Alors, qui dit Cajun dit, n'oubliez pas, les Cajuns, c'est d'inspiration française. Les Cajuns sont arrivés, donc les Français sont arrivés en Louisiane. Et donc, ont apporté leur
une partie de leur savoir-faire, une partie de leur culture dans la cuisine du sud des États-Unis. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que les Français, il y a aussi toute l'inspiration qui vient des esclaves africains qui étaient débarqués en Louisiane pour aller travailler dans les champs de coton et dans, enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le rub cajun, c'est un rub qui est vraiment très empreint d'un mélange. Ah, ça, c'est sûr. Ultra, ultra différent de culture, un mélange gigantesque de toutes ces cultures. Et, mais bon, la tendance générale, c'est effectivement le piment, ça, ça arrache vraiment. Le piment, les herbes, voilà, on va être plus, plus non, là-dessus. Non, c'est ça qui est bien dans le rub cajun. C'est sûr qu'il y a donc les Français qui sont arrivés en Louisiane, il y a aussi les Acadiens qui sont descendus, qui ont été chassés par les Anglais donc, du Québec comme ça. Donc en traversant du Québec en Louisiane, ils ont pu ramasser des herbes et tout ça pour faire ça. Il y a une influence espagnole, donc caribéenne, il y a une approche africaine également avec l'esclavagisme. Donc voilà, il y a, c'est vraiment un mélange. Mais bon, on est sur le quatrième rub, le rub agneau. Alors, le rub agneau, qu'est-ce qui fonctionne bien avec l'agneau quand vous préparez un agneau au four? Vous le piquez avec de l'ail, je pense. Hein. Donc, le rub, l'ail va très, très bien marcher dans ce rub, dans l'agneau. Une question, Juan, enfin, pas vraiment une question, une remarque, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Le rub café juste d'avant, avec le canard, ça fonctionne très bien également. Aussi, ouais, tout à fait. Voilà. Remarque, donc je préfère le dire comme ça. Et... voilà, on parle de rub poisson, mais on a dit que c'était vraiment des rub plutôt low and slow, là. Ici, oui, on parle de rub low and slow. Ok, donc là, qu'est-ce que tu as mis, Rohan? Je ne sais pas celui. Je viens de rajouter une unité d'ail. D'accord. Un volume. Un volume, oui. Donc, un volume sucre, sel, paprika, ail. Voilà. Ok. Ok. Et alors, mon conseil avec l'agneau et qui fonctionne très bien aussi avec la volaille, c'est de venir ajouter maintenant un mélange d'herbes. Ces herbes pour ce côté saveur, en fait. Donc, je vous rappelle, on a le côté doux, le côté salé. On va chercher un petit peu le kick, mais donc le côté piquant. Mais ici, pour l'agneau, ben, la saveur, on va aller la chercher plus dans l'herbe, dans les herbes. Je peux... je peux prendre simplement des herbes de Provence. Ici, pour la démo, on peut peut-être faire ça avec des herbes de Provence. Ouais, ouais, ouais. Donc, herbes de Provence, ils sont déjà presque. Voilà. On va prendre ça. Les herbes de Provence qui sont déjà presque un rub en eux-mêmes. Hein. Donc, un rub, il y a quand même du sel, mais c'est un mélange hein, parce qu'il y a 7 herbes différentes. Donc, moi, là, j'ai du persil, j'ai du romarin. Comment je fais là, du coup? Oh, bah écoute, tu n'as pas d'herbe de Provence toute faite, le mélange tout fait? Peut-être, mais je ne sais pas. Bon. Eh bien, alors, tu peux prendre un quart de thym, un quart de romarin, un quart de... J'ai tout. J'ai tout, comme disent nos amis québécois. Ok, combien je mets, alors? Voilà. Donc, tu fais quoi, là? Tu prends les herbes de Provence ou ouais. Tu prends des... herbes de Provence. Ben alors, une unité. D'accord. Moi, ce que j'aime bien avec l'agneau, c'est la menthe. Augmente, ça cartonne. C'est super bon. Absolument. Ok. Bon, mais après, ouais. Super. Et il y a encore plus de 200 personnes actuellement sur le live. Vraiment, ça vous intéresse. Posez toutes vos questions. Voilà. Beaucoup de top le colombien. Parfait, je suis partant. Rob Poisson, on a dit. Ah oui, il faudra une palette de paprika pour le groupe, c'est sûr. Vas-y, je t'écoute pour le reste, Juan. Voilà, et donc j'ai mis mon ail, mes herbes de Provence, sel, sucre, paprika. Je vais rajouter un demi de poivre noir. Et un demi de poivre noir, moi je fais ça. Ok. Ok. Ouais. Et voilà. Ok, parfait. Et celui-ci, du coup, il est plus coloré. Il est. Donc, on répète, Jean. Un sel, un sucre, un paprika, un ail. Et. Tes souhaits. Et un demi. T'as pas de signe de Covid, hein, là. Non, c'est bon. Non.
Un sel, un sucre, un paprika, un ail et un demi-herbe, hein, c'est ça? Exactement. Ok, parfait. Non, non. Un sel, un sucre, un paprika, un ail, un herbe et un demi-poivre. Ah, et un demi-poivre, c'est ça. Voilà. Donc voilà, il est là et on le voit bien herbacé comme ça. Donc, quand on dit que c'est bon pour le porc, évidemment, c'est bon pour le sanglier aussi, hein, parce que j'ai la question. Ah oui, bien sûr. Ok. Bon, ben super. Moi, j'avais une question aussi. Tu vois, souvent, on voit des choses. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je ramène, moi. Bah, tiens, en plus du petit boss, là. Hickory bacon. Celui-ci, smoky flavor. Voilà. Est-ce que tu peux nous Alors, retoucher deux mots là-dessus, s'il te plaît, ouais. Romain? Donc la saveur smoky et donc le goût fumé qu'on peut retrouver dans certains rubs vient soit du paprika fumé, voilà. Comme il est déjà fumé, mais il apporte un côté smoky directement dans le rub. Soit de la poudre, on trouve ça aux États-Unis. On peut trouver de la poudre d'hickory ou de la poudre de mesquite, qui sont en fait des poudres parfumées à base de fumée liquide, en fait séchée, déshydratée, et donc on a ce goût vraiment de fumée à l'intérieur du rub. Deuxième question, parce que j'aimerais que tout le monde se mette d'accord. Alors, juste là, c'est marqué comment faire un rub. C'est pas RUB, hein, c'est pas les initiales, c'est vraiment le mot. Hein, c'est un mélange d'épices secs. Et du coup, il y a plusieurs choses à savoir dans le vocabulaire. Donc, il y a les mots de type rub, un dust, un mop, un paste, un binder. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que tu vois, regarde. Alors, je fais exprès de faire l'avocat du diable parce que je suis ton élève. Tu vois, moi, j'ai appelé du wing dust. Donc, voilà, explique à tout le monde ce que c'est comme ça. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément les questions, mais moi, je fais exprès de te poser des questions pour que tu puisses y répondre et qu'on se mette bien tous d'accord sur ça. Ouais, Alors, bah donc. le dust, en fait, le dust, c'est la poudre. Voilà, c'est simplement la poudre. Donc le wing dust, c'est une poudre pour les ailes de poulet. Voilà, le rub, bah, rub, ça vient du terme to rub en anglais qui veut dire frotter. Et c'est pour ça qu'on appelle ça en principe des sels à frotter, parce qu'on vient les frotter sur la viande, même si je vous déconseille vraiment de frotter, mais plus de tapoter pour faire pénétrer le rub plutôt que de frotter. Voilà, alors on a le binder. Alors le binder, c'est un liant. To bind, ça veut dire lier. C'est un liant qu'on vient déposer sur la viande avant de mettre le rub quand une viande est un petit peu sèche. Alors un binder, ça peut être de la moutarde. Bon, aux États-Unis, ils utilisent beaucoup de moutarde douce Américaine. comme liant parce que ça n'apporte pas de goût au bout du compte, mais par contre ça aide à faire un chouette crust et le jaune de la moutarde apporte une belle couleur pendant l'oxydation avec la fumée. Ça peut être bêtement un peu d'huile d'olive ou bêtement de l'eau, enfin voilà, du moment que le rub accroche, colle. Donc c'est pour lier le, accrocher Donc on met le. ce que l'on veut, quoi. Hein. Ça peut être plein de choses. Après, il faut faire attention à ce qui est trop salé, par exemple la sauce soja ou de la sauce magique, Ouais, tout ça, il faut faire gaffe. Hein. voilà, exactement. Ça, c'est le Okay. binder. Alors, Alors moi, je voulais juste le en rajouter mop. quelque chose sur les dusts. Excuse-moi, Rohan. C'est vrai que sur les dusts, généralement, je ne sais plus où j'ai mis mon paquet. Ah, ici. Sur les dusts, généralement, je sais que par exemple, Max Lavoie à Barbecue Québec m'avait dit que c'est des pré-rubs, c'est-à-dire qu'on va mettre le binder, donc la couche d'accroche. On va venir mettre un dust qui contient un petit peu, enfin régulièrement, un exhausteur de goût, par exemple du MSG, du monosodium de glutamate. Là-dessus, donc c'est vraiment pour avoir ça. Et au-dessus, on va rajouter un rub. Donc ça, on peut aussi mettre deux rubs les uns par-dessus les autres, quoi. Par exemple, si on veut un qui soit un petit peu plus salé, qui pénètre dans la viande, on va le mettre en premier. Et par-dessus, on peut mettre un autre qui est un petit peu plus sucré pour faire la croûte à l'extérieur. Voilà, tu as tout expliqué. En fait, effectivement, les rubs, on peut les empiler. Donc, c'est-à-dire que généralement, on va commencer par le sel, puisque le sel va pénétrer la viande en profondeur. C'est la seule épice d'ailleurs qui va pénétrer la viande. Et donc, on peut jouer avec différentes couches, différentes bases. Le MSG, bon, on peut en faire une parenthèse. C'est un exhausteur de goût. Et donc, effectivement. Beaucoup de gens, bon, on parle les wing dust en tout cas, soit on les utilise purs,
Soit on vient d'abord mettre ce wing dust, il y en a un au vinaigre et au sel par exemple, mais qui va vraiment pénétrer à l'intérieur de la viande. Et puis par-dessus ce wing dust, on va pouvoir venir mettre mon rub classique par exemple, qui va très très bien marcher. Et donc on va avoir cette pénétration au niveau sel qui va permettre de... Le sel est un exhausteur de goût, c'est aussi un attendrisseur de viande. Le sel permet de retenir les jus à l'intérieur de la viande aussi, donc enfin l'eau en tout cas. Et donc on va utiliser effectivement plusieurs mélanges de rubs si on le souhaite. Mais bon, j'ai envie de dire aux gens, puisque la plupart sont quand même débutants, j'ai envie de dire ce que je dis toujours à tout le monde, s'il vous plaît, mais restez simple. Keep it simple. Ouais, keep it simple, c'est la règle. Et encore aujourd'hui, après toutes ces années de barbecue que j'ai derrière moi, ça reste ma règle de base, c'est de rester simple. Dès qu'on commence à jouer avec un wing dust et puis un autre rub et puis un tel glaze par exemple au-dessus de tout ça, mais on sait plus qui fait quoi. Est-ce que c'est le wing dust qui a fait son effet? Est-ce que c'est le rub? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est la fumée? Est-ce que c'est... Non, bon Dieu, restez simple. Ouais, c'est ça. Si on met trop de sauce barbecue par-dessus, si le jus de pomme dans l'emballage, le machin, le truc, voilà, on est totalement perdu. Mais juste un mot sur le MMG, hein, c'est un exhausteur de goût. Il y en a dans le Magie en France. Attendez, je vous fais voir. Voilà. Donc, quand vous lisez en plus le premier truc, alors ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Vous voyez, là, c'est marqué glutamate. Voilà, ici, là, vous voyez. Au sel glutamate, hein, donc c'est du monosodium de glutamate, c'est un exhausteur de goût, parce que généralement un exhausteur de goût, ça va être, ah, ça c'est le qu'on trouve chez les Chinois, un exhausteur de goût ça va être le sel, sauf que si on sale trop, bah, ça va vraiment assécher la bouche, ça se sent, alors que le MSG ça se sent pas, alors on appelle ça... Si on en met trop, ça va développer ce qu'on appelle le syndrome du resto chinois. En fait, le syndrome du resto chinois, bah, c'est quand on sort d'un buffet à volonté, qu'on est vraiment... On est plein, on a du mal, on peut avoir mal à la tête, etc. Donc ça, c'est parce que dans certains buffets chinois, bah, si ce n'est pas très cher, ils saupoudrent comme ça de MSG pour venir donner du goût. Donc il faut vraiment avoir ça avec parcimonie, quoi. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Il faut vraiment être précautionneux. Le MSG n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et ce n'est pas parce que vous allez mettre du MSG demain dans un rub que votre barbecue va être 10 fois meilleur qu'aujourd'hui. Il y a plein d'étapes avant de commencer à mettre du MSG. Mais c'est vrai que dans énormément de rubs, le MSG n'est pas cancérigène, contrairement à ce qu'on peut lire parfois ou quoi que ce soit. C'est juste que, bon, effectivement, il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est un exhausteur de goût. Les cubes magie, là, les bouillons de poule, les bouillons de volaille, bouillons de volaille, bouillons de bœuf, etc., contiennent toutes déjà du MSG. Si vous prenez, en fait, pour développer, le MSG permet de développer, soi-disant, le côté umami. C'est ça. Voilà. La cinquième saveur qu'on peut retrouver aussi en utilisant par exemple de l'anchois ou en utilisant de la tomate ou en utilisant donc il y a d'autres moyens de développer d'utiliser les exhausteurs de saveur avant d'acheter du vrai MSG quoi. Voilà. Ok, du coup j'avais une question, donc on a parlé de la conservation, on a mis notre binder, donc notre accroche en français, oui. Combien de temps avant mettre le rub? Ça c'est une question qui revient régulièrement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que le sel qui pénètre vraiment à l'intérieur de la viande. Le reste ne pénètre pas. Donc, et le sel, il faut faire attention. C'est-à-dire que on ne parle pas de saumure. Enfin, si, on parle d'une saumure sèche quelque part. Donc, si je prends le cas des ribs, par exemple, comme on a très peu de viande et qu'on a les os, etc., moi, je déconseille de mettre plus d'une heure à l'avance un rub salé sur des ribs. Parce qu'il y a un moment où le sel va modifier la texture de la viande, du porc, et vous allez avoir, même si vous faites tout le reste parfaitement, vous avez une viande qui va devenir un petit peu, je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Elle va sécher, elle va s'assécher, quoi. Ça va faire un saupoudrage, ouais. Mais l'effet inverse de ce que l'on recherche, par exemple, sur une côte de bœuf de façon Aaron Franklin, où là, on veut un croûtage à l'extérieur, là, justement, ça va évacuer l'eau, et puis bah, ça va rendre des ribs sèches, alors qu'en gros, on se fait chier à faire du low and slow pour pas qu'elle soit sèche. Sur une épaule de porc, pour faire un pulled pork, sur une épaule de 4 ou 5 kilos ou 6 kilos de porc, ça sert à rien de le mettre
une heure à l'avance ou 2 heures à l'avance ou 10 heures à l'avance, parce que de toute façon, le sel ne pénétrera de toute façon pas les pôles sur son entièreté, et l'Europe ne sert qu'à apporter le bark et un petit peu de goût sur la croûte, mais c'est tout. Donc, ça sert à rien de mettre 24 heures à l'avance Ok. un rub sur une viande. Alors, du coup, bah, ça fait déjà 1 heure et demie que l'on est là. Moi, je voulais parler aussi de quelque chose. Quand est-ce que l'on peut utiliser son rub à part le mettre sur une viande? Alors, le rub classique, chez moi, je le mets dans quasiment tout, et Alexandra, ma Ça compagne, marche, je fabrique. C'est super, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. ouais, c'est dingue, mais elle va l'utiliser même dans une béchamel, quoi. Moi, je le mets sur le maïs au beurre, par exemple. Quand j'en fais, ben, je mets un petit peu de rub. Si je fais une sauce barbecue, je vais mettre un petit peu de mon rub dans la sauce barbecue pour apporter ce côté vraiment personnel. Mais en même temps, comme le rub contient plusieurs exhausteurs de goût différents, qu'il ouvre les papilles pour ça ou ça, j'ai envie de dire, bon, évidemment, je le mettrai peut-être pas dans une bolognaise ou un plat typique dans lequel je veux pas avoir justement de sucre ou de cumin, par exemple. Mais sinon, on peut l'utiliser de mille façons différentes, hein. Ouais. Donc moi je l'utilise dans les sauces barbecue, dans mes baked beans par exemple, sur des légumes aussi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur comment faire un rub dessert. On pourra en parler prochainement. Donc Ouais. voilà, avec de la poudre de noisette, de la cardamome, c'est super bon. Bah là maintenant que j'ai découvert ces écorces d'orange, c'est super. Donc vous pouvez même en faire d'un point de vue un petit peu plus sucré, comme ça, à tout moment. Vous coupez des légumes, vous coupez des fruits, donc pour le rhum dessert, vous en mettez dessus, vous faites rôtir ça à la plancha ou des légumes, vous en mettez, voilà, y a aucune limite, hein. Absolument aucune. Juste, alors du coup, on va tenter quelque chose d'autre là. Alors, je vous allais me dire si vous m'entendez bien, normalement vous m'entendez bien. Juan, tu vois bien. Voilà, moi je voulais parler un petit peu des saveurs barbecue. Dites-moi si vous m'entendez bien ici, vous allez voir, la scène va changer. On va discuter un petit peu des saveurs barbecue pour récapituler ce que l'on a dit. Donc bah voilà, ça va arriver au fur et à mesure sur vos écrans. On a un petit décalage. Mais ce que je voulais dire, c'est que bah voilà, il y avait la saveur barbecue. Et on peut les diviser en plusieurs. Donc il va y avoir des saveurs un petit peu plus terreux. Comme ça, il va y avoir des saveurs un petit peu plus goûteuses, sucrées, acides, épicées, donc on en a parlé, ou salées et fumées également. Donc pour là je vais vous en parler un petit peu, si vous m'entendez bien, tout va bien, ouais super. Donc dans les saveurs un petit peu plus terreuses, on va diviser ça en 3 parties, les choses qui sont un petit peu plus avec un goût noisette, donc ça peut être du 4 épices, noix de muscade, cannelle, noix de pécan, café, chicorée, on en a parlé également. Rohan, Oui. tout ce qui est un petit peu plus floral avec de l'anis étoilé, de la sauge, du thé aussi, c'est bien, hein, on peut faire des robes à base de thé, Rohan. Oui, bien sûr. Voilà. C'est le, par exemple, sur un filet de canard. Ouais, voilà. Ça va marcher du tonnerre, oui. Donc ça c'est top. Après on a des saveurs un petit peu plus herbacées comme on a vu là actuellement sur l'agneau. Donc là on peut utiliser origan, romarin, marjolaine, thym, persil, herbe de Provence, aneth, basilic. Voilà, ça on peut choisir un petit peu ce que l'on veut. Et encore c'est voilà, c'est une base. Hein. Mais voilà sur quoi vous pouvez remplacer à chaque fois si vous n'avez pas ça. Ça c'est un mind mapping que j'ai fait et que voilà on va expliquer un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, dans les saveurs un petit peu plus goûteuses, on parlait du MSG. Donc, il y a la saveur umami. Donc, le MSG, on peut remplacer ça par du magie, du bouillon, tu en as parlé, du lard, du phosphate aussi. Tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît, Rohan? Non. Non, phosphate, c'est quelque chose. Je connais les principes, quoi, mais ça, c'est quelque chose que je ne touche pas. Voilà, Voilà. c'est un attendre. En gros, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un attendrisseur de viande qui est utilisé dans les compétitions de barbecue pour rendre la viande plus Tendre. tendre en fait et pour lui donner un goût, mais on sait tous que voilà, c'est utilisé en compétition, mais on est à la maison, on n'est pas là pour faire ça. D'ailleurs, les champions de compétition, Myron Mixon, tout ça, disaient moi je ne mange jamais de viande faite comme ça parce que c'est dégueulasse quoi. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire pour tous les gens qui nous regardent. La compétition de barbecue n'a rien à voir avec le barbecue qu'on fait à la maison. En compétition, les juges
qui sanctionne les compétitions, qui est CBS, etc., les juges attendent un résultat visuel, un résultat au niveau tendreté et un résultat au niveau de goût dans la viande. Et ce résultat ne peut être obtenu qu'en utilisant tous les moyens possibles, en injectant les viandes avec tel et tel phosphate ou tel saumure ou tel... voilà, et il faut... Ce que vous voyez à la télé n'a rien à voir avec ce qu'on fait à la maison. Et même les vrais grands pitmasters, comme tu parlais de Myron Mixon, enfin voilà, ils sont très nombreux aujourd'hui. Pardon ? Non, n'importe qui, je disais The Shed, tout ça... Ouais, voilà. Tous ces gens, en fait, quand ils cuisent pour leur famille, ils font comme nous. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télé au niveau. On appelle la méthode KISS, hein, c'est Keep It Simple Stupid. Ça vient des Marines dans les années 60. C'est-à-dire que si tu as deux choix, bah, fais le choix le plus simple parce que tu es sûr de ne pas te tromper, que ça va fonctionner. Donc, reste simple, stupide, KISS. Comme un bisou, quoi. KISS méthode, c'est vraiment reste simple. Et des fois, on dit, ah, j'aimerais faire ça, ça, ça. Bah écoute, tu mets juste ça, tu mélanges, tu fais cuire et puis basta, quoi. Et voilà. C'est vrai qu'un livre de barbecue sur... Et c'est ça qui est intéressant dans le barbecue, c'est qu'on peut faire des choses ultra basiques. Tu mets un rub, tu le mets au fumoir, mais après, tu peux mélanger tous les rubs, les saveurs, les machins, les trucs. Mais au final, ça reste très simple. On va juste continuer un petit peu sur le schéma. Donc ça, c'est un schéma que j'ai fait comme ça, que je vous mettrai peut-être à disposition plus tard. Il y a dans les saveurs un petit peu plus goûteuses, il y a des choses un petit peu plus charpentées, comme la sauce Worcestershire aussi. Donc là, c'est plus les saveurs barbecue, hein. C'est pas uniquement sur alors, la robe, mais ça peut agir comme un la sauce anglaise fait partie de l'umami aussi, puisque en fait, ouais. La sauce anglaise utilise énormément d'anchois. Exactement, voilà. Donc ça, et puis après, j'ai parlé donc de sauce New Yorkman, la sauce soja, donc voilà. Ensuite, dans les saveurs sucrées du barbecue, donc là, on a quatre sous-catégories. On a tout ce qui est un petit peu le beurre, donc le beurre clarifié, le ghee, machin. Tout ce qui est fruité, donc bah là, on en parlait tout à l'heure, quand on emballe des ribs ou des choses comme ça, donc ça peut être du fruit, des fruits, du ketchup, voilà, en saveur sucrée vraiment, donc on a parlé du miel, du sirop d'agave, de la stevia, et puis après on a des saveurs un petit peu plus caramel, comme le cola, la mélasse, le sirop d'érable ou le golden syrup. Donc c'est comment je pourrais dire. Oh, j'en avais mangé en Afrique du Sud, c'était super bon sur des pancakes, tout ça. Voilà, le plus typique c'est Aunt Jemima qui fait ça. Ensuite, on a des saveurs un petit peu plus acides. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré pour le rub colombien, donc on pouvait apporter des écorces d'orange. Mais voilà, en chose citronnée, donc ça peut être des zestes. Ça peut être le sumac que j'ai présenté dans la vidéo sur les rides d'agneau. Des choses vinaigrées, bon, ça, c'est plutôt pour les sauces, mais on peut en mettre également en binder ou dans un emballage, donc vinaigre balsamique, vinaigre de vin, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, et les choses un petit peu plus amères comme le tamarin ou le bitter. Dernière, avant-dernière chose, non, antépénultième chose, les saveurs épicées. Alors là, on en avait parlé, donc d'un point de vue pimenté, bah, il y a le poivre noir, poivre blanc, le cinq baies, piment d'Espelette, ici, voilà. Ensuite, les saveurs de type chili, donc le jalapeño, chile habanero aussi, le chipotle, le piment serrano, le scotch bonnet. Ouais. Voilà, ce sont des choses que l'on peut retrouver, que l'on peut changer, que l'on peut sécher au déshydrateur également. Ensuite, on les mixe, on peut les rajouter dans n'importe quel rub. Tout ce qui est cajun, donc on a parlé du paprika, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois. Cumin, ail en poudre, oignon en poudre. Et tout ce qui est en sauce, bah, ensuite, il y a les sauces tabasco, les n'importe quelle sauce piquante, la Frank's Red Hot ou des huiles piquantes comme on a sur les pizzas. Ensuite, en sel, on en a parlé au tout début, donc on peut mettre soit du sel fin, du sel de Guérande, du gros sel, de la fleur de sel, ou sinon des saveurs sapides, donc très goûtues, avec de l'anchois ou des capres qui apportent également ce goût salé. Et enfin, le goût fumé, on en a parlé aussi avec des rubs tout faits à base d'hickories, de mesquite ou des choses comme ça. Donc, ça peut venir d'arbres fruitiers ou ça peut avoir des saveurs vraiment boisées de type avec des bois durs issus de fûts de chêne dans lequel le whisky
à maturer, quoi, tout simplement. Donc, avec les copeaux de Jack Daniels, etc. Voilà. Tac. Donc, ben voilà pour les saveurs barbecue. Voilà, en gros, hein, donc, je vous ai dit, c'était une base et ensuite, on peut vraiment tout changer et se faire plaisir avec différentes choses. On n'est pas là pour faire exactement les proportions, tout ça. On le fait vraiment à la louche, comme on a expliqué au tout début. Je pense qu'on a été assez complet sur tout ça. J'avais noté quelques questions et puis après, ça sera bon. Donc, la conservation, on a parlé. On a parlé du vocabulaire, on a parlé des goûts. On a parlé aussi comment on peut le réintégrer dans la cuisine. On a parlé de la quantité de sel par rapport à la viande. On a parlé de comment on pouvait mélanger tout ça. Je fais un petit tour sur les questions. Est-ce que c'est possible de mettre un peu de rub pour un camembert au barbecue? Pourquoi pas? Ah oui, on peut mettre tout ce que J'ai l'on veut jamais dedans. essayé, mais pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Voilà, un rub. Ok, pour les viandes grillées. Okay. Bon, ben voilà, ben écoutez, je pense qu'on a quand même fait le tour de pas mal de choses. Ça fait 1h40 que l'on est en live. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Merci à toi, Rohan, d'avoir pu bénéficier de toute ton expérience. Avec Je rappelle plaisir, pour ceux qui merci à toi n'étaient pour ton pas avis. là au début, tu es l'auteur du livre Smokehouse. Regardez comment il est beau. Ouh, il est beau. Mais vous l'avez en vrai ici, juste là. Donc voilà, on retrouve plein de recettes, etc. Donc on l'a sur Amazon. C'est vrai que actuellement, bah, les livraisons sont un petit peu bloquées et tout, mais ça va reprendre dans les prochains jours. Vous pouvez le mettre tout de suite dans votre panier, puis dès que ce sera réouvert, vous pourrez le commander. Et puis on bénéficie de toute ton expérience dans ce livre-là. Vous pouvez également liker sa page Facebook. Abonnez-vous également au groupe Barbecue et vous. Juan est administrateur, moi aussi, et Stéphane de la semaine dernière. Donc voilà, il y a des vraies connaissances autour de tout ça. On est plus de 8000 actuellement. Et donc, si vous avez une question, si vous voulez nous faire voir ce que vous faites, c'est pour ça que ça s'appelle Barbecue et vous, eh ben, n'hésitez pas à poster. Un petit mot pour la fin, Juan. Je suis très content d'avoir pu aider. Je te remercie pour ton invitation. Ouais, Et voilà, c'était. je reste au travers du groupe, évidemment, pour répondre à toutes les questions sur les rubs ou sur tout le reste, hein. Voilà. Bon, c'était vraiment sympa. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un autre live avec un invité aussi exceptionnel que toi, Rohan. Et si vous avez des idées de choses que l'on pourrait faire en live comme ça pour répondre à toutes vos questions, des lives longs ou plus courts, mais bon, voilà, quand on parle, on a toujours plein de choses à faire. Vous avez également plein de questions. Donc, bah, ça s'éternise un petit peu, mais bon, c'est vraiment cool. Allez, on se dit ciao, bon dimanche tout le monde. On se retrouve très certainement la semaine prochaine avec un invité exceptionnel également. En attendant, bon barbecue, restez chez vous et faites tous ces rubs. Allez, ciao, salut À Rohan. bientôt. Ciao. Ciao.